Thank you, Holy Spirit. Heavenly Father, we thank you. We thank you, Lord. Mon Dieu, nous te remercions. We bless your name. Nous bénissons ton nom. For this is the day. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour. You have made. Que tu as fait. We shall rejoice. Qu'on doit justement se réjouir. And be glad in it. Et nous sommes fiers. Thank you for all your people present today. Merci pour toutes les personnes qui sont ici ce soir. This is not just as a night. Ce n'est pas seulement qu'une nuit. But this is a night with a prophetic encounter. Mais c'est une nuit prophétique avec prophétique. And I pray. Et je prie. That your people shall encounter your name. Que ton peuple vienne célébrer ton nom. That they shall surely receive the manifestation of your power. Qu'ils reçoivent la manifestation de ton pouvoir, Seigneur. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. We freeze any demonic activities. On détruit toutes les activités du diable. And we declare, let there be an open heaven. Et on déclare que le ciel soit ouvert. Let the angels ascend and descend. Que les anges descendent, montent et descendent. To deliver messages. Pour délivrer tous les messages. And everyone that was in chain, et que tous ceux qui étaient enchaînés, let the chain be broken. Que toutes leurs chaînes soient brisées. And let the people go free. Que toutes les personnes partent libres. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let the enemy stay out. Dans le nom de Jésus. Let the enemy stay out. Alors que l'ennemi reste dehors. The enemy from their father's side and their mother's side. Que tous les ennemis du côté de la mère ou du côté du père soient dehors. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let your mercy cover us. Que ta miséricorde vienne sur nous. And let the light of God shine upon us. Et que la lumière de Dieu brille in sur the name nous. Of Jesus, even in the people Jésus. Online. Que toutes les personnes qui sont en ligne. Let the deliverance of the Lord be manifest. Que la délivrance de Dieu soit manifeste. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let the light of God shine upon this place. Que la lumière de Jésus brille dans cet endroit. This we decree and declare. Et on nous déclarons. In Jesus' name. Que dans le nom de Jésus. It is settled. Que c'est fait. And it is completely founded in the Lord. Et que c'est tout, que tout soit fondé, que tout est fondé en Dieu. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. To God be the glory. To God be the glory. Alors à Dieu toute la gloire. I thank God. Il remercie Dieu. To have such a privilege to be here. D'avoir ce privilège d'être ici. I count it a blessing to stand in this platform. C'est pour moi une bénédiction d'être sur cette plateforme ce soir. With your father, Prophet Blaise, and his wife. Et surtout avec le prophète Blaise et sa femme. It's a blessing. C'est un honneur et une bénédiction pour lui d'être là. We usually only used to do online, but to be here physically. D'habitude, il a l'habitude de faire ça en ligne, mais là, d'être ici ce soir physiquement, I count it a blessing. Je le compte comme une grosse bénédiction. Can we put your hands together for your father and your mother? Est-ce que vous pouvez mettre votre main sur votre père et votre mère? Do you love your father and your mother? Est-ce que vous les aimez? Vous aimez Papa Blaise et Maman Lise? You have to love your father so that you may prosper. C'est une obligation. Vous devez aimer votre papa et votre maman, sinon vous n'allez pas prospérer. So, like it or not, you love them by force. Que vous aimez ça ou pas, il faut que vous les aimiez de toute façon, de tout votre cœur. Voilà. And I believe there is the Reverend Oscar. Thank you for being here.
Et merci au révérend Oscar d'être là ce soir. I'm just glad to see you all here. Je suis tellement heureux de vous tous vous voir ici. And I know you are coming out of this place with something. Et je sais que vous venez dans cet endroit pour vous êtes venu chercher quelque chose. You will come out with something. You say it again. You will come out with something. Voilà, vous sortirez avec quelque chose. A miracle on your side. Avec des miracles à vos côtés. Amen. Let your amen be bigger. Que votre amen se commence maintenant. Que votre amen commence ce soir maintenant. Il va prêcher. I will preach by French by fire. Il va prêcher en français avec le feu. I will just shift English and enter French. Yeah. Okay, he can also help. You can. Yeah, he can help. Thank you so much. I tried. Put your hands together for her. Applaudissez pour elle. Thank you very much. You may have your seats in God's presence. Merci, vous pouvez vous asseoir. Thank you for all the leadership of Casarema. Merci à tous les dirigeants de Casarema. That have been standing with the prophet. Qui se tiennent avec les prophètes. I know it is not easy to walk with a prophet. Je sais, c'est pas facile de se tenir avec les prophètes. But to walk with a prophet. Mais marcher avec les prophètes. That means you have a big heart. Ça signifie que vous avez un grand cœur. So I congratulate you all. Je vous félicite tous. Be it in the worship team. Que ça soit l'équipe de louanges. Media. Les médias. Thank you for your consistency. Merci pour votre consistance, votre ferveur. All the team, the pastors and all the people, we salute you. Toutes les équipes, les pasteurs et tout, je vous salue. Today is the beginning. Aujourd'hui, c'est un commencement. It's a beginning of a great things that you shall remember of. C'est le commencement de grandes choses dont vous allez vous rappeler. Because the night is made for the people who are strong and they are giants. Parce que les nuits sont faites pour les gens qui sont forts et géants. So if you find yourself here, si vous vous retrouvez ici, online, en ligne, or here physically, ou ici physiquement, is a sign that you are among those that are giants. C'est un signe que vous êtes parmi les géants. And that's how I know you are going to conquer all the giants in your family. C'est comme ça, je sais que vous allez conquérir tous les géants de votre famille. Let your amen be bigger than your size. Que votre amen soit plus grand. Now I'm in Casarema. Maintenant je suis à Casarema. The only place where there is silence is in the cemetery. Le seul endroit où il y a le silence c'est au cimetière. But in the presence of the Lord, the Bible says, "Let everyone shout of joy." Mais dans la présence de Dieu, la Bible dit que tout le monde crie. And when you are functioning with a prophet, et quand vous fonctionnez avec les prophètes, you pull the anointing out of him. Vous tirez l'onction de lui. When you rejoice in his presence, quand vous vous réjouissez dans sa présence. Because when you set yourself in the presence of the one that God has sent, parce que quand vous vous mettez dans la présence de celui que Dieu a envoyé, it is your joy that pulls the anointing. C'est votre joie qui tire l'onction. It is your celebration that pulls your deliverance. C'est votre célébration qui tire votre délivrance. That's why the Bible says Jesus could not do any miracle. C'est pourquoi la Bible dit Jésus ne pouvait faire aucun miracle. Until people scream his name. Jusqu'à ce que les gens commençaient à crier son nom. Son of David, have mercy on me. Fils de David, aie pitié de moi. Jesus, have mercy on me. Jésus, aie pitié de moi. Until somebody says something, jusqu'à ce que quelqu'un dise quelque chose, God cannot do anything. Dieu ne peut rien faire. Until somebody approaches his miracle, jusqu'à ce que quelqu'un approche le miracle, God cannot approach you. Dieu ne peut pas l'approcher. That's what the Bible says, come before me and I shall come. C'est pourquoi la Bible dit, viens devant moi et je viendrai aussi. So there is always a step of faith. Il y a toujours une étape dans la foi that you must do, que tu dois faire, for you to see the manifestation of your prophetic destiny. Pour que tu vois la manifestation de ta destinée prophétique. And I strongly believe tonight that there shall be a manifestation of something great. Je crois fermement que cette nuit il y aura une manifestation prophétique. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ. The theme is one. Le thème c'est un seul. Come out. Sort. Of the satanic prisons. De la prison satanique. Come out. Sort. Of satanic prisons. De la prison satanique. Come out. Sort. Of satanic prisons. De la prison satanique. I just want you to be very connected with me. J'aimerais que vous soyez connecté avec moi. And very sensitive. Et plus sensuel.
sensible oui, with me. Avec moi. If your neighbor is sleeping, si votre voisin dort, just tell him, don't let the prophet suspect you. Dites-lui, ne laissez pas les prophètes vous suspecter. Hallelujah. So tell your neighbor, watch out, don't sleep. Dites à votre voisin, sois vigilant, ne dors pas. Or we shall suspect you. Je vais vous suspecter. If your neighbor sleeps, just know I suspect you. Si votre voisin dort, je vais le suspecter. Hallelujah. Can we salute the people online? God bless you. Est-ce qu'on peut saluer les gens en ligne? Que Dieu vous bénisse. Thank you, Jesus. Sunday is going to be big and it's going to be powerful. Dimanche, ça sera un grand jour et ça sera très puissant. Bigger than what will take place tonight. Plus grand que ce qui aura lieu ce soir. Are you ready? Êtes-vous prêt? Are you ready? Êtes-vous prêt? In the name of Jesus. The Bible says, come out. Dans le nom de Jésus, la Bible dit, sors. He told the father of faith. C'est God. À partir le père de la foi. God told the father of faith. Dieu a dit au père de la foi. His name was Abraham. Son nom était Abraham. In the book of Genesis chapter 12. Dans le livre de Genèse chapitre 12. The Bible says God spoke to Abraham. La Bible dit Dieu a dit à Abraham. Can we read it? Est-ce qu'on peut le lire? I want someone with an angelic voice. J'aimerais que je cherche quelqu'un avec une voix angélique. Hallelujah. Ah, her name is Rose. Son nom c'est Rose. Oh, I can read it. Où je peux lire? Merci beaucoup. Mm-hmm. Genèse 12. Verse 1. Rahuzivihadizo. Rahavusivihinde. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Which verse? Verse 1. One? Mm-hmm. So I read the... Ah, pardon. Yeah, en français, let's go. Pardon, mm-hmm. En français, pardon. Yeah. Alors, Genèse 12. Mm-hmm. L'Éternel dit à Abraham, mm-hmm. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Mm-hmm. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Merci. La Bible dit, va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans les pays que je t'indiquerai. Now watch this. Regardez. Anytime that God desires to do something or to start something with somebody, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose ou commencer quelque chose avec quelqu'un, there is always one sign. Il y a toujours un signe. It's the signing of going. C'est le signe de partir. That's why we found ourselves in such a meeting as this one. C'est pourquoi nous retrouvons dans une réunion comme celle-ci. Why? Because you heard the voice of God. Parce que vous avez entendu la voix de Dieu. You have seen God calling you into a place. Vous avez vu Dieu vous appeler à un endroit. So you accepting a particular call. Vous avez accepté un appel particulier. That's acceptance. Cette acceptation pushes you in the place to come out of a particular place. Vous pousse à sortir dans un milieu particulier. So that means God cannot do anything. Où Dieu ne peut rien faire. Until somebody chooses to come out of somewhere. Jusqu'à ce que la personne choisisse de sortir d'un milieu. And God uses events and occasions. Et Dieu utilise des événements et des occasions. In order to call their people out of the places. Pour appeler son peuple en dehors d'un milieu. The Bible says Abraham was in the captivity of his parents' place. La Bible dit Abraham était dans la captivité de la maison de ses parents. His father was using divinations. Son père utilisait la divination. His father was practicing some divinations. Son père était un magicien et faisait des divinations. And he came out of the parents' place where there was a lot of witchcraft. Il est sorti du milieu de ses parents où il y avait trop de sorcellerie. In fact, his name was contradicting the destiny that was carrying. En fait, son nom était attaché à l'appel qui était lié à son nom. Contradicting. Contredisait l'appel qu'il avait. Why? His father. Pourquoi? Parce que son père. Terah. His father. Son père. Was able to see that there was a great star upon Abraham. Il avait la capacité de voir qu'il y avait un grand étoile sur Abraham. So he named Abraham. Il a appelé Abraham.
according to the destiny that he could see. Selon la destinée qu'il pouvait voir. But God, mais Dieu, saw a greater destiny in Abraham. Avait vu la grande destinée d'Abraham. But you can see the name, mais vous pouvez voir le nom, that the father gave to Abraham, que le père a donné à Abraham, was contradicting the destiny that Abraham was carrying. Était en opposition avec la destinée qu'Abraham portait. So there are some names, il y a des noms, that you receive from the parent place, que vous recevez de vos parents, that intercept the destiny of people that are carried. Qui sont en opposition avec les gens que vous portez. But I stand tonight that those names shall be crushed by fire. Je me tiens aujourd'hui pour vous dire que ces noms seront brisés. I declare those names shall be crushed by fire. Je déclare ces noms seront brisés par le feu. So you can see sometimes there are great children when they are born. Vous pouvez voir il y a des grands enfants qui sont nés. There are great men when they are born. Il y a des grands hommes quand ils sont nés. You see a particular auntie. Vous allez voir une certaine tante. Yeah, tante. A particular uncle. Un certain oncle present in your day of birth, présent le jour de ta naissance, or your grandfather, ou ton grand-père, or your grandmother, ta grand-mère, and they are suggesting to name your name, to name your life, et ils suggèrent de donner ton nom, or they are suggesting to name your child. Ils suggèrent de donner un nom à l'enfant. Why? Because the destiny that you carry, pourquoi? Parce que la destinée que tu portes, it's not supposed to be named by your parent house, ne doit pas être lié par la maison de tes parents, but it's supposed to be named by the name of the one that has called you. Ça doit être lié par le nom de celui qui t'a appelé. So the enemy has a tricky way, l'ennemi a une certaine façon, to name your destiny out of your destiny, de nommer ta destinée en opposition avec, or to oppose your name, ou d'opposer ton nom, based on the name that is given in your life, en rapport avec le nom qui est donné dans ta vie. Because whomsoever you name, parce que quiconque vous donnez le nom, you dominate, vous dominez sur lui. So as long as Abraham was carrying the name of the parent place, aussi longtemps qu'Abraham portait le nom venant de ses parents, he was going to be under the influence of the parent places. Il allait être sous l'influence de la maison de ses parents. Until he hears his real name, jusqu'à ce qu'il va entendre son vrai nom, he cannot dominate the forces of the parent places. Il ne pouvait pas dominer la force de la maison de son père. That's what the Bible said. Jacob, c'est pourquoi la Bible dit Jacob, he could not operate in the presence of God. Il ne pouvait pas opérer dans la présence de Dieu. Yet he saw God. Malgré il avait vu Dieu. He saw angels. Il a vu les anges. He received the oil. Il a reçu l'huile. He received the blessings. Il a reçu la bénédiction. But he could not operate in the blessings. Mais il ne pouvait pas opérer dans la bénédiction. Until he comes out of the name that was given to him. Jusqu'à ce qu'il sorte du nom qui lui a été donné. That your neighbor say, I'm coming out of the names. Dis à ton voisin, je sors des noms qu'on m'a donnés. So there are some names, il y a certains noms, that are blocking you not to step into your prophetic days, qui te bloquent d'entrer dans ta destinée prophétique. So there are some names, il y a certains noms, that people can name you, que les gens peuvent vous donner, vous appeler, based on your character, basé sur votre caractère, based on your attitude, basé sur votre attitude, based on your circumstances, basé sur vos circonstances. And that name has become a stamp over your life. Et ce nom est devenu un sceau dans ta vie. And not knowing that name they named you, et sans savoir que le nom qu'on t'a donné, it is an obstacle to the manifestation of your prophetic destiny. C'est un obstacle à la manifestation de ta destinée prophétique. Imagine the person that was by the pool of Bethesda. Imaginez la personne qui était à la piscine de Bethesda. They call him crippled for 38 years. On l'a appelé crippled. I don't know that word. Handicapé. Yeah. Un handicapé. They call him crippled for 38 years. On l'appelait un handicapé de plus de 30 ans. Right? 38 ans. 38 ans, oui. Why? People named him. Pourquoi? Parce que les gens l'ont appelé comme the ça. The people also named the guy that was eyes, the belle porte, la belle porte. On a aussi nommé les gars, les messieurs qui étaient à la belle porte. Uh-huh. When Peter and John stood by. Quand Pierre et Jean sont passés par là. And they said to him, gold and silver we have none. Et il lui a dit, va. What? Gold and silver we have none. Ah, l'or et l'argent que nous. But what we have in the name of Jesus. Mais ce que nous avons dans le nom de Jésus. Stand up where you are. Tiens-toi debout. Et so in another word, they named him based on his circumstance. En d'autres termes, on l'a nommé selon ses circonstances. They named him based on the circumstances of his flesh. On l'a nommé à cause de la circonstance de sa chair. Listen to me, people of God. Écoutez-moi, les gens. Satan has a way to define you. Satan a une façon de te définir. God also has a way to define you. Et Dieu aussi a sa façon de te définir. Am I speaking to someone here? Est-ce que je parle à quelqu'un?
You know, family has a way to define you. La famille a sa façon de te définir. The uncle has a way to define you. L'oncle a sa façon de te définir. Aunties has a way to define you. Les tantes aussi leur façon. Your brothers and sisters have a way to define you. Tes frères et tes sœurs ont leur façon. But God has a way to define you too. Mais Dieu aussi a. Can I speak to someone here? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? May God define you today. Que Dieu te définisse aujourd'hui. The Bible said they define Gideon as somebody who is fearful. Ah, la Bible dit on a défini Gédéon comme quelqu'un peureux. But inside of Gideon there was a warrior. Mais dans Gédéon il y avait un guerrier. So name has a capacity to block your destiny. Le nom a la capacité de bloquer ta destinée. Name has a capacity to hinder the light inside of you. Le nom a la capacité d'éteindre le feu en toi. The Bible said the son and the baby that shall be born. La Bible dit les bébés et les fils qui seront nés. You shall call him Jesus. Vous allez l'appeler Jésus. So if Mary, si Marie, could have made a mistake, aurait fait une erreur, to call Jesus, d'appeler Jésus, Ebedea, we are not going to have a Jesus. On n'aurait pas eu à avoir Jésus. But you see, when you name exactly as heaven calls somebody, mais voyez, quand vous appelez exactement comme le ciel appelle, even the Bible come to join you. Même la Bible vient vous rejoindre. Even heaven come to join you. Même le ciel vous rejoint. Even the blessings speak your names. Même les bénédictions parlent votre nom. And I stand to declare tonight, et je me tiens ici pour déclarer, your real name shall be mentioned. Que votre vrai nom sera mentionné. Your real name shall be mentioned. Votre vrai nom sera mentionné. Your real name in your family. Votre vrai nom dans la famille. Your real name in your finances. Votre vrai nom dans la, les, your real l'argent. Name in your destiny. Votre vrai nom dans la destinée. It shall be mentioned. Sera mentionné. Lift your right hands. Levez votre main droite. Decree and declare with me. Déclarez avec moi. That my name. Que mon nom. That the Lord calls me. Que Dieu m'appelle. Shall be manifest. Sera manifesté. Shall be manifest. Sera manifesté. Shall be manifest. Sera manifesté. Not tomorrow. Pas demain. Today. Aujourd'hui. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Listen to me. Écoutez. There was a man called Jabez. Il y avait un monsieur qu'on appelait Jabez. Jabez, his name was called because the mother bathed him out of pain. Jabez, son nom était appelé parce que sa maman l'a accouché avec des douleurs. And the name came out of that pain. Et le nom est sorti à cause de cette douleur. And the Bible said Jabez lived in pain because her mother named her. Ah, et la Bible dit Jabez a vécu dans la douleur parce que sa maman l'avait appelé comme ça. So there are some circumstances what names your life. Il y a des circonstances qu'on appelle dans ta vie. Who named you poor? Qui t'a appelé pauvre? Who named you sick? Qui t'a donné le nom des malades? Who named you setback? Qui t'a donné le nom des rétrogrades? Who named you that you are single forever? Qui t'a nommé que tu seras célibataire pour toujours? Ah, are we canceling it today? On va annuler ça aujourd'hui. On va briser ça. Do this with me, cancel. Briser ça avec moi. Who named you that you are totally a barren? Qui t'a nommé que tu seras totalement stérile? God is calling you a new name. Dieu t'appelle un nouveau nom. And that name is abundance. Et ce nom c'est l'abondance. And that name is new life. Et ce nom c'est une nouvelle vie. Receive it in the name of Jesus. Reçois-le au nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus. Reçois-le au nom de Jésus. Be it you are watching me online or you are here, receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So you can see that the destiny of Jabez was blocked. Vous pouvez voir que la destinée de Jabez était bloquée. Simply because of a particular name. Justement à cause d'un certain nom. And God has to do something marvelous. Et Dieu doit faire quelque chose merveilleux. In this night. Cette nuit. By giving us a particular name. En nous donnant un nom particulier. Hallelujah. Hallelujah. Now the Bible says, he said to Abraham, come out. La Bible dit, il a dit à Abraham, sors. Come out. Sors. Come out. Sors. Where? Où? Number one. Numéro un. Your nation. Ta nation. Write it down. Vous pouvez écrire ça, ta nation. Come out sortir of your nation. Sortir de sa nation. Say, I'm out of the nations. Dites, je suis en dehors de la nation. Have you not realized this when you encounter a Nigerian, you know this is a Nigerian? Vous n'avez jamais remarqué que quand vous croisez un Nigérian, vous savez que ça c'est un Nigérian. You know what I'm talking about. Vous savez de quoi je parle. When you encounter Congolese, you know, Congolese. Quand vous croisez un Congolais, vous savez que ça c'est un Congolais. How many knows what I'm talking about? Combien savent ce que je suis en train de dire? Why? There are some system that causes you to look like your nation. Ah, il y a certains systèmes qui font que vous ressemblez à votre nation.
So in another word, you can't run away from the look of your nation. En d'autres termes, vous ne pouvez pas échapper à l'apparence de votre nation. And the moment people are confused on where you are coming from. Et le moment où les gens sont confus d'où vous venez. That's just know that you have broken something. Sachez que vous avez brisé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Say it with me, it's broken. When people are questioning, where are you from? Quand les gens vous demandent, vous venez d'où? Where are you from? Vous venez d'où? We can't identify where you are coming from. On peut pas identifier d'où vous venez. Just know that you have broken something from the national force. Sachez que vous avez brisé quelque chose des forces de la nation. As a child of God, you are supposed not to look like where you come from. En tant que fils de Dieu, vous ne devez pas ressembler d'où vous venez. Thank you. You look like heaven. Glory to God. Can you put your hands together for mama? Applaudissez pour maman. Vous ressemblez au ciel. Hallelujah. Glory be to God. So there is a particular look as a child of God you are supposed to look. Il y a une certaine parure en tant que fils de Dieu ou enfant de Dieu. You are not supposed to look like your president. Vous ne devez pas ressembler à votre président. You are not supposed to look at the economy of the nations. Vous ne devez pas ressembler à l'économie de votre nation. You are not supposed to look at the crisis of the nations. Vous n'êtes pas censé ressembler à la crise de votre nation. You are not supposed to look at the blockage of the nations. Vous n'êtes pas censé ressembler au blocage de votre nation. Because your nation has been born from above. Parce que votre nation vient d'en haut. Your look is supposed to be as the heavenly look. Votre parure doit être la parure du ciel. When you walk out of this place, people are wondering where are you from. Quand vous sortez de cet endroit, les gens doivent se demander d'où vous venez. Because you are coming not from the impartation from the heavenly place. Parce que vous venez de l'impartation divine. When you encounter grace. Quand vous rencontrez la grâce. When you encounter glory. Quand vous rencontrez la gloire, even your structure change. Même votre structure everything change. About you change. Tout de vous change. Because the glory of God is manifested through you. Parce que la gloire de Dieu s'est manifestée en because vous. You are broken through out of some bondage and prisons in the families. Parce que vous avez brisé toutes les prisons et les chaînes qui vous enchaînaient dans la famille. Number two. Et deuxièmement. It is the family. C'est la famille. It is the family. C'est la famille. It is the family. C'est la famille. You see in the family there is a particular anger that controls the whole family. Vous allez voir dans une famille il y a une certaine colère qui contrôle votre famille. Hein? You are coming out. Ouais. Tu sors. Vous allez sortir de là. Alléluia. Ah, you see there is a particular behavior of drinking. It's in all over the family. Il y a une certaine habitude d'alcoolisme dans la famille. Like it or not, it has hit everyone. Que vous le voulez ou non, tout le monde dans votre famille est sous là. Or par exemple, people don't get married. Ou par exemple, les gens ne se marient pas dans votre famille. People always when they get married, they have problem to deliver children. Les gens quand ils sont enceintes, ils ont toujours des difficultés à avoir des enfants. So there is a stamp in that family. Il y a un sceau dans cette famille. And God is calling you, come out. Et Dieu vous appelle à sortir de là. Listen to me. Can I speak to you something here? Écoutez-moi, j'aimerais vous dire quelque chose ici. Listen to me properly. Écoutez-moi. Every time that God desires to do something, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, God will use always a man to pick you out of the problem. Dieu va toujours utiliser un homme pour te sortir d'une situation. Listen, we are in a new dispensation. Écoutez, nous sommes dans une nouvelle dispensation. There is no angel that will come here to tell you, hey, come out. Non, il n'y a pas d'ange qui viendra ici te dire de sortir. God will use a man. Dieu va utiliser un homme. That's why God inspired him. C'est pourquoi Dieu l'a établi. To bring an event. D'amener un événement. Because somebody here is supposed to come out. Parce que quelqu'un ici doit sortir. So it is based on him to hear from God. C'est à lui d'écouter de Dieu. De that's why the best place for you to be is to have a prophet. C'est pourquoi le meilleur endroit pour vous d'être, c'est d'avoir un prophète. And not a prophecy. Et pas une prophétie. Ah, somebody didn't hear me. Vous ne m'avez pas bien ceci. Now, when you have a prophet, quand vous avez un prophète, the Bible says through a prophet, Israel came out of Egypt. La Bible dit, à travers d'un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Not through a prophecy. Pas à travers une prophétie. Prophecy is good. La prophétie, c'est bien. But walking with a prophet, mais marcher avec les prophètes, it is a sign that you are coming out of prisons. C'est le signe que vous sortez de la prison. So the biggest blessing that God can show to you, la plus grande bénédiction que Dieu peut te montrer, is to bring a man. C'est d'amener un homme. And not just a man. Et pas juste un homme. But a prophet. Mais un prophète. Do you have a prophet? Vous avez-vous un prophète? Do you have a prophet? Avez-vous un prophète? Do you have a prophet? Avez-vous un prophète? Do you have a prophet? Avez-vous un prophète? The Bible says, believe in God, you shall be established. La Bible dit, croyez en Dieu, vous serez établi. But believe in my prophet, you shall prosper.
Mais croyez au prophète, vous allez prospérer. So that means the realm of prosperity depends on the prophet. C'est-à-dire la dimension de la prospérité dépend du prophète. You didn't hear that one. Vous n'avez pas saisi cela. So that means every time. Ça signifie que chaque fois. Can I be honest? Can I tell them something? Est-ce que je peux être honnête? Je peux dire quelque chose. Let me show you something. Attendez, je vous montre quelque chose. Let me show you. Attendez, je vous montre. Ah. Arusi vi handuvia. Je suis permis, non? Ah. Thank you, Lord. So, let me say, can I use Isa? Can you come? Put your hand together for him. Acclamez pour lui, hein? So, this is the prophet. Ça, c'est le prophète. Hold this. Come here. This is you. Ça, c'est vous. Hallelujah. Now, the prophet is here. Le prophète est ici. If this prophet, si ce prophète is broke, est pauvre, and he has nothing, et il n'a rien, that means, ça signifie, this is your starting point. Ça, c'est votre point de départ. Am I in France? Est-ce que je suis en France? Did you understand that one? Avez-vous saisi? If the prophet is broke, si ce prophète est pauvre, that means ça signifie your starting point, votre point de départ, is in his level. C'est à son niveau. Ah, heureusement. That's why, c'est pourquoi, before God to start anything with Moses, avant que Dieu commence quoi que ce soit avec Moïse, God had to take Moses in the mountain already where the people are supposed to come. Dieu a amené Moïse déjà dans les montagnes où les gens étaient censés être avec lui. So a true prophet, un vrai prophète, reaches already where you are supposed to reach. Il arrive déjà là où vous autres vous devez censé arriver. Watch this. So that means if your prophet, ça signifie que si votre prophète is driving a Bentley, s'il conduit une Bentley, that means it's your starting point. C'est-à-dire que c'est votre niveau, votre commencement. Did you hear that? Est-ce que vous avez saisi cela? If your prophet, si votre prophète, he has a house, il a une maison, that means that is your starting point. C'est-à-dire que c'est votre point de départ. Can I decree and declare? Est-ce que je peux déclarer? Anyone renting here? Quiconque est dans la location ici, as your prophet is in a place, comme votre prophète est à une place, you shall also be taken there. Vous aussi, vous serez amené là-bas. You shall be taken. Vous allez être par you shall be taken. Vous serez amené là-bas. On Sunday, I'm going to touch on something very powerful, the revelation of flesh. Le dimanche, je vais toucher quelque chose de très puissant, la révélation de la chair. Ah! It's a show. Why? That's why. Pourquoi? You see, Satan will fight always prophets or the people of God not to prosper. Ah, Satan va toujours combattre les prophètes afin d'empêcher les peuples de Dieu de ne pas prospérer. Why? It's not a fight on prophets. Ce n'est pas un combat envers les prophètes. But it is a fight on the people. Mais c'est un combat contre les peuples. Because Satan wants you to remain in a lower level. Parce que Satan veut que vous restiez au plus bas niveau. Because the Bible said the lesser is blessed by the greater. Parce que la Bible dit celui qui est en bas est béni par celui qui est en haut. So if your prophet is not high, si votre prophète n'est pas élevé, you cannot be lifted. Vous ne pouvez pas être élevé. That's why I have a problem. C'est pourquoi j'ai un problème. When people are fighting prophet to be lifted, quand les gens combattent les prophètes pour que les prophètes n'évoluent pas, they are arrested. Ils sont arrêtés. Shout fire. Le feu. Criez le feu, le feu, le feu sur eux. Criez le feu, le feu, le feu, le feu. Listen to me. Écoutez-moi. There is no money that you can give a prophet to make him rich. Il n'y a pas un montant d'argent que vous pouvez donner au prophète pour le rendre riche. It's impossible. C'est impossible. There is no, even if you bring $1 million right now, même si vous amenez $1 million, it can't make him rich. Ça ne fera pas du prophète. Because riches does not come by man. Parce que la richesse ne vient pas des hommes. Riches come from God. Mais la richesse vient de Dieu. So it is demonic. C'est démoniaque. People to think that they are richifying prophets. Ah, que les gens pensent qu'ils sont en train d'enrichir les prophètes. It is demonic. C'est démoniaque. It's impossible. C'est impossible. Someone to say I am the one who sponsors that church. Que quelqu'un dise que c'est moi qui sponsorise cette église. You have no power to sponsor the church. Tu n'as pas de puissance pour sponsoriser cette église. Who can sponsor God? Qui peut sponsoriser Dieu?
He's the one to sponsor you. C'est lui qui peut vous sponsoriser. So it's actually a privilege to stand in the place actually to support the church. Ah, c'est un privilège de se tenir aux côtés des prophètes en soutenant l'œuvre. Ah, look at the amen has reduced. Ah, les amen ont baissé. Can I decree and declare? Est-ce que je peux déclarer? Lift your right hands. Levez votre main droite. That you are taken in high place. Vous êtes élevé à un endroit plus haut. Where God has positioned your prophet, là où Dieu a positionné votre prophète, you shall go higher. Vous aussi vous irez plus loin. That shall be your starting point. Ce sera votre point de départ. I don't like your amen. Je n'aime pas vos amen. I say I don't like your amen. So if your prophet is driving a Range Rover, si votre prophète conduit une Range Rover, you are starting with a Range Rover. Vous commencez aussi avec une Range Rover. So imagine where you are going. Imaginez où vous êtes en train d'aller. Where are you going? Où allez-vous? You are going higher. Vous allez plus haut. If your prophet, si votre prophète, has started with private jet, il a commencé avec des jets privés. How many private jets are you going to have? Combien de jets privés allez-vous avoir? Kasarema. Kasarema. When you love a prophet, quand vous aimez un prophète, you enter in the dimension of prosperity. Vous entrez dans la dimension de la prospérité. And you touch the anointing that makes someone to prosper. Et vous touchez l'onction qui fait que quelqu'un puisse prospérer. Amen. Thank you. Merci. Amen. Clap for Jesus. Thank you. So watch this. Regardez. You come out of the family. Vous sortez d'une famille. You are out of the family. Vous sortez d'une famille. You don't look like your family anymore. Vous ne ressemblez plus à votre famille. People are broke in the family. Les gens sont pauvres dans la famille. But you are not broke. Mais toi, tu n'es pas pauvre. Amen. That's why I love what the prophet said. C'est pourquoi j'aime ce que le prophète a dit. You cannot, vous ne pouvez pas, be satisfied, être satisfait, until you come out of that prison. Jusqu'à ce que vous sortez de cette prison. And people will thank you. Et les gens vont vous remercier. That you left the prison. Que vous soyez sorti de la prison. God always chooses one person. Dieu a toujours choisi une seule personne. One person. Une personne. So that he can deliver others. Pour qu'elle puisse délivrer les autres. We are so privileged that you are chosen among the multitude in your family. Ah, nous sommes très privilégiés que vous soyez choisis dans la multitude de votre famille. Why? Because you are working with a prophet. Pourquoi? Parce que vous marchez avec un prophète. So in another word, when God desires to do something in a family, en d'autres termes, quand Dieu désire faire quelque chose dans votre famille, he sees the one that is connected with a prophet. Il voit celui qui est connecté avec un prophète. And when he sees someone connected with a prophet, et quand il voit quelqu'un connecté avec he un says, prophète, now I will start something with this one. Il dit alors, je vais commencer quelque chose avec lui. Now I take you out. Maintenant, je te sors of your nation. Je te sors de ta nation. Number two, deuxièmement, I take you out, je te sors of your family. De ta famille. That means the oppression of the character of the family cannot have a hold over you again. Ah, ça signifie que l'oppression du caractère de votre famille ne peut pas avoir une emprise sur vous. Where your father got limited, you cannot be limited. Là où ton père a été limité, toi tu ne seras pas limité. Where your mother died, you cannot die. Là où ta mère est morte, tu ne mourras pas. I feel a holy hunger. I feel a holy hunger. Ah, j'ai une famille. Shaluka palatu sabra, mekos kabrandi viha sabrahande. Lift your right hand. Levez votre main. Say with me. Dites avec moi. Where my father got limited, là où mon père a été limité, I will not be limited. Je ne serai pas limité. Where my mother died, là où ma mère est morte, I will not die. Je ne mourrai pas. What's blocked them, ce qui les a bloqués, shall not block me. Ne me bloquera pas. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I see you prospering. Je vous vois prospérer. I see wedding next year as like something else. Je vois des mariages l'année prochaine beaucoup. Shalabaha de bakate. Something great is about to happen in Kasarema. Quelque chose de grandiose est sur le point d'arriver à Kasarema. Something marvelous is about to take place. Quelque chose de merveilleux. That those who stood as oppositions. Que ceux qui ont pris position. Opposition. Ah, ceux qui se sont opposés. They shall see God arising. Ils vont voir Dieu s'élever. Hallelujah. Number one, you come out of where? Premièrement, vous sortez d'où? Nation. Nation, thank you. Nation, merci. Number two, where are you coming out? Deuxièmement, vous sortez d'où? De là? Ah. Number one is what? Premièrement, c'est quoi? Ah. Two. Deuxièmement.
Famille. Yeah, we are together. Clap for yourself. Merci, thank you. Nous sommes ensemble. Applaudissez pour vous-même. No, number three. Troisièmement. Can someone read for me? Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Va, quitte ton quoi? Ton pays. Mm-hmm. De ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. They are such as house of your father. Sorry. C'est bon. There are such things as house of your father. Il y a certaines choses comme la maison de ton père. That fight the reality of things. Qui combattent la réalité des choses. Vous voyez? Like, look at that. The Bible says that Jacob came and took all his wives. Regardez, la Bible dit Jacob est sorti, il a pris toutes ses femmes. And they were going. Et ils étaient en train de partir. But the Bible says Leah came out clean. Mais la Bible dit que Leah est sortie propre. But the Bible says Rachel. Mais la Bible dit Rachel. Was carrying with her. Rachel portait avec elle. The idol of the father. Les idoles de son père. So in another word, Rachel was so attached with the idol of the father. En d'autres termes, Rachel était attachée aux idoles de son père. Most women that don't get married, plusieurs femmes qui ne se marient pas, they have a problem that is connected with the idol of the house of the father. Et elles ont des problèmes qui sont liés aux idoles de leurs parents, de leur père. Père. De leur père. Why? Pourquoi? There is a soul tight. There is. Soul tight. Ah, il y a un lien de fort. Lien d'âme. Lien d'âme. There is a soul tight. Il y a un lien d'âme. So that soul tight. Et ce lien d'âme. It is a force as an idol. C'est une force comme une idole. That fight. Qui combat. The reality. La réalité. Of the manifestations. De la manifestation. Of that sweet fruitfulness that God has for you. Ah, que cette vie fructueuse que Dieu veut de toi. Man of God. Homme de Dieu. I met a pastor. J'ai rencontré un pasteur. I don't know what, but let me just be. Maybe he might be watching. I don't know. Peut-être il me regarde, mais je vais en parler. But let me say the truth. Mais je vais dire la vérité. I met a man of God. J'ai croisé un homme de Dieu. And spiritually. Et spirituellement. As I look at that man of God. Quand je regardais cet homme. He's a pastor. C'est un pasteur. But I can see he has married all his girls. Et j'ai vu il s'est marié à ses filles. Spiritually. Spirituellement. In a point, à un point que, when I asked, quand je l'ai demandé, then he's telling me et il m'a dit, that my girls, que mes filles, dreams, rêve, that we go out together, que nous sortons ensemble. But he called himself a pastor. Mais il s'appelle lui-même pasteur. Yep. So you can see the destiny of girls. Vous voyez la destinée de ces filles. Is attached to their father. Et attaché à leur père. The idol of the father. Aux idoles de leur that père. Is blocking the manifestation of the girls. Qui bloque la manifestation de ses filles. But I stand to decree and declare if there was somebody here like that. Mais je me tiens ici pour déclarer que s'il y avait quelqu'un ici. That yoke shall be broken. Ce lien sera brisé. I declare that yoke shall be broken. Ce lien sera brisé. Be it online or here, that yoke shall be broken. Que ça soit en ligne ici, ce lien sera brisé. I declare that yoke shall be broken. Je déclare ce lien sera brisé. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Listen to me. Écoutez-moi. That's why I love Kesha. I love overnight. C'est pourquoi j'aime l'éveillé. Why? Because the overnight. Parce qu'il est veillé, when we pray, quand nous prions, we are not just attacking human nous, on attaque pas spirit. L'humain, we are not just attacking spirit. On attaque pas seulement les esprits, but we are attacking system that happens in the sky. Mais nous attaquons les systèmes qui se passent dans les cieux. Watch this. Why? Regardez ceci. Pourquoi? The Bible say, la Bible dit, God made the heavens. Dieu a fait le ciel. And he has placed illuminary stuff on the heavens. Et il a mis des astres lumineux dans le ciel. Moon. La lune. Stars. Les étoiles. To control seasons and time. Pour contrôler les saisons et les temps. But the Bible say, mais la Bible dit, the moon. La lune. It is the one that gives the seasons c'est days. C'est elle qui donne la saison et les jours. The seasons of party. Les saisons de party, the fête, the seasons of cabals,
The season for the Muslims. Les saisons des musulmans. They always watch the moon. Ils regardent toujours la lune. So the moon, la lune, is a system. C'est un système. That the kingdom of darkness operates to pick seasons. Ah, où les royaumes des ténèbres opèrent. Opère pour? What? I didn't get it. Operates to capture seasons. Ah, opère pour capter les saisons. So in another word. When someone wants to intercept your season, quand quelqu'un veut intercepter ta saison, he works with the powers of the moon. Il travaille avec la puissance de la lune. Are we together? On est ensemble. That's what the Bible says in the book of Job, that have you not commanded your day, your morning? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Job, n'as-tu pas recommandé ta matinée? Why? Because it is in the night. Parce que c'est dans la nuit, that makes the day. Qui fait la journée. Why? The season. La saison. There is a particular season that someone is working on. Il y a une saison particulière dans laquelle une personne. There is a prophetic season for someone here. Il y a une saison prophétique pour quelqu'un ici. But that season. Mais cette saison. Has to manifest. Doit se manifester. When you take control over the forces that dominate the moon. Quand tu prends le contrôle des forces qui dominent la lune. And the night. Et la nuit. Is the time whereby you exercise power. C'est le temps où tu exerces la puissance. Authority. L'autorité. Over the forces that operate with the moon. Sur les forces qui opèrent avec la lune. So that's been the gods or the idols of your parents' house. Ah, c'est selon les appels des idoles de la maison de tes parents. The gods and the idols, les dieux et les idoles de tes parents, of your parents' house, de la maison de tes parents, they are able to intercept your prophetic destiny. Ah, ils sont capables d'intercepter ta destinée prophétique. When they can enter in contact with the moons, quand ils peuvent entrer en contact avec la lune. Now, when we pray, maintenant quand nous prions, when we gather in the night, quand nous nous rencontrons comme ça la nuit, as this one, nous nous réunissons to la nuit pray. Comme ça. Pour prier. To pray. Pour prier. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? We are flying in the realm of the spirit. Nous volons dans les dimensions de l'esprit. In order to go above the controlling force in the moons. Pour aller au-delà des forces qui contrôlent la lune. And to speak the command of the Lord. Et pour commander, pour parler les commandes du Seigneur. That the season shall work for our favor. Pour que la saison puisse marcher à notre faveur. That's what the Bible says in the evil day. C'est pourquoi la Bible dit dans les jours mauvais, it shall change for your good. Ah, ça changera en des bons jours. Are you getting what he say? Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit? Okay, say it again. Les jours mauvais pour vous se changeront en des bons jours. The Bible said the evil years. La Bible dit les années mauvaises. It shall change for your good years. Ah, se changeront en de très bonnes années. Why? Because you have stood in the place to confess the goodness of God. Parce que vous vous êtes mis dans une position pour confesser la bonté du Seigneur. That the season shall change for my good. Ah, que la saison changera en bien pour That's moi. That's been a prophetic season that God has for you for 2023. Ça signifie que la saison prophétique que Dieu a pour vous pour 2023. It shall be done in this night. Ça sera fait en cette nuit. Why? Because we enter into prayer. Pourquoi? Parce que nous entrons en prière. Are you getting now what I'm saying? Est-ce que vous suivez ce que je dis? Why? Because you entered in the place of prayer. Pourquoi? Parce que vous êtes entré dans la place de la prière. Why? Pesa ma boko no. Nzambe aopambola. Oh. Okay. God is going to bless this man. Dieu va bénir cet homme. Why? I don't know. But when I touch your hands, quand j'ai touché ta main, it's like you are a man that stands in a place whereby you help your family back home. Tu es un homme qui se tient à un endroit où tu dois bénir ta famille, tu dois aider ta famille. They always call you. Ils t'appellent toujours. So that you can send some small things. Pour que tu puisses les envoyer des petites choses. Isn't it? Est-ce que c'est ça? It's like he's the bread winner in the family. C'est un gagne-pain de sa famille. Whereby when anything has happened, they have to call him. Au point que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on doit l'appeler. But now, watch it. Maintenant, regarde. I saw someone who took money out of his hands. Mais j'ai vu quelqu'un qui a pris l'argent de ses mains. It's like $100. C'est comme $100. And they took it and they went to speak ill against it. Ils sont partis parler des mauvaises paroles sur ça. Whereby everything this man does. Pour que chaque chose que cet homme fera. He doesn't see anything good out of his hands. Il ne voit rien de bon de ses mains. Why? Because I see it like, you see, les choses araignées. Les filets araignées.
À toile d'araignée. It's all placed over his hands. That's why everything he touches, it's like nothing. Even if he gets money, nothing will manifest. Pour que chaque chose qu'il touche ne prospère pas. Même quand il touche à l'argent, ça n'évolue pas. But today, mais c'est aujourd'hui, it shall be broken. Ah, come on, let me hear you, big man. J'aimerais entendre votre let me hear you, big man. Votre grand amen. Let me hear you, big man. Votre grand amen. Even in the place of relationship, things break. Même dans ces relations, les choses se passent pas bien. But look at what God can do in this man. Ah, mais regardez ce que Dieu va faire dans cet homme. It shall change everything. Ça va changer toutes choses. It shall change everything. Ça changera toute chose. Are you ready to pray? Man of God. Yeah, yes, sir. Je confirme sa prophétie. Wow. Et c'est lui qui a fait ce podium. Wow. C'est lui qui a fait mon bureau. Wow. Et je l'avais dit aussi que non, Dieu t'a amené ici parce que Dieu veut changer ta vie. Non, acclamez pour Jésus. Il rentre demain parce qu'il habite à Brésil. Au Brésil, il est brésilien. Hey, wow. So all the way jusqu'à Brésil? Ouais, donc va prendre l'avion pour rentrer demain. What? Ouais. Non, tu pars avec la bénédiction. Amen. God is going to. Can we pray right now? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Amen. There is a lot of service that is going to be done today. Il y a beaucoup de services qui vont se passer aujourd'hui. Today, you aujourd'hui. Are coming out of the nations. Vous allez sortir de la nation. You are coming out of the family. Vous allez sortir de la famille. And you are coming out of your father's house. Vous allez sortir de la maison de votre Why? Papa. Because when two prophets come together, parce que quand deux prophètes s'unissent, the Bible says two are better than one. La Bible dit deux vaut mieux qu'un. Two shall kill 10,000. Ah, deux vont gagner, vont tuer 10,000. But one can kill 1,000. Mais un va tuer 1,000. But when two come together, mais quand deux s'associent, there is 10,000 enemies that are falling today. Ah, il y a 10,000 ennemis qui vont tomber aujourd'hui. Let your enemy be bigger and greater. Ah, laisse que vos ennemis se brisent. Ah, come on. Arise where you are. Levez-vous de d'où vous êtes. Que votre amen soit grand et puissant. Amen. Est-ce qu'on peut prier aujourd'hui là? Amen. Moi j'aime la prière. Amen. Hein, votre prophète c'est un homme de prière. Amen. Hein, je vois le matin là, il y a toujours la prière. Le soir la prière. Moi je dis, est-ce qu'il ne se fatigue pas? Non, 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 acclamez pour Dieu. C'est terrible. Amen. Moi là, quand je fais 3 semaines comme ça, je me fatigue. Mais lui, toute année, l'année passée, la même chose. L'année là, depuis je l'ai connu, comme Amen. Ça, comme ça. Étendez vos mains sur lui, que Dieu le fortifie. Priez pour lui. Avant qu'on commence, priez pour lui pour même. Priez pour lui. Priez pour lui. Mansata katole brende boche. Manta la brende boche kete. Ade bala kuse brende boche. Tamanda bache. Halo do kapala brende bache. Zete kete le brazo. Shalabada bada bada Manda bala briketo la brinde bese. Shalabada bada bada bese. Rete kato la brinde bosaka. Meto kase. Toute âme qui était forgée contre lui soit neutralisée. Toutes les plans maléfiques que l'ennemi avait sur lui et sa famille soient brisés. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu intervienne pour son cas, sa situation. Shalabalo se briketa la brandebe. Sakata rama se kete le brandeze. Buraba santa balabrese. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Dis à son prochain, on doit prier maintenant. Donne-moi l'espace. Ah ah. Hein? Toi, dis-le, si tu ne transpires pas là, tu ne pries pas. On va prier. Jusqu'à ce que la lumière de Dieu va briller sur toi. Dimanche, vous allez témoigner. Il y aura de grandes choses qui vont se faire. In the name of Jesus. Number one. Number one. Numéro un. We are going to pray. Nous allons prier. Anything that has been blocking you. Toute chose qui t'a bloqué. As an altar. Comme un hôtel.
from your father, from your nations, de ta nation, that has been reclaiming your life. Qui était en train de réclamer ta vie. Let that altar, que cet hôtel, let that foundation, que cette fondation, that has been blocking your life, qui a bloqué ta vie, let it be cut off. Que ça soit brisé. Let it burn by fire. Que ça puisse brûler par le feu. Lift your hands. Lève ta main. Say in the name of Jesus. Dis dans le nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Any altar. Tout hôtel. Any substance. Toute substance. Any foundation. Toute fondation. In my nations. Dans ma nation. Reclaiming. Réclamant. My destiny. Ma destinée. My light. Ma vie. My life. Ma vie. My children. Mes enfants. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Oh God. Oh Dieu. As I pray. Comme je prie. Let the altar. Que les hôtels. Reclaiming my life. Réclamant ma vie. From my nations. De ma nation. Burn by fire. Brûle par le feu. 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 Burn by fire. 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 Come on, someone pray with me. Shalabadabata parakata. Yes, yes, yes. Yes, clap the man. Pray. Shata même en ligne. Prie avec nous. Prie avec nous. Priez. Et lève-toi là où tu es. Marche. Prie. Bat tes mains. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Que cela se brise par le feu. Brise par le feu. Oui, ma soeur. Comme ça, mon frère. Combat, mon frère. Combat, ma soeur. Shalab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 a. Bele parakata mandabase. Élève le feu. Élève le feu. Élève le feu. Élève le feu. Marapala parakata mandabaya. Zete perekatora masanda. Perekatora masanta mandabalaba. Ziampa. Hey, ouvre ta bouche. La Bible dit le destin des gens sont cachés par leurs paroles et par leurs déclarations. Le pouvoir de la vie et de la mort, c'est par les déclarations que tu fais de ta bouche. Oui, ma sœur, ça se fait, ça se fait. Il y a des choses, ça se fait dans le monde de l'esprit. Pendant que tu pries, il y a des choses qui se brisent. Il y a des choses qui se brisent. Shalababala palakasa. N'arrête pas, ne stop point. Ne t'arrête point. Continue, combat, ma sœur. Combat les beaux combats. Combat, mon frère, combat les beaux combats. Shalababa katamanda balaba. Yatalamanda. Que ces hôtels se brisent. 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 Toutes les réclamations de ta nation, de ton pays, qui réclamait ta vie négativement, sataniquement, sorcellerie, au nom de Jésus, que cela soit coupé, que cela soit brisé, brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu. Neka parama iam paramaya zeketelepa rekatolama ratakata reketekete zotoka parapa. Que cela tombe, que cela tombe. Le feu descend, le feu descend. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Shababababababarabase shalabadakatamandabalamase. Invoque le feu, mon frère. Rekata la brekata. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. Quand tu combats dans la foi, il y a la manifestation. Shedebele bakatamanda. Riaba santa parakatamanda base. Reketele breka santa malabase. Zete perekata malabaya. Reketele breka santa malabase. Le pora pala palaba. Ia pala malakata la breza. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Écoutez ceci. Pendant qu'on priait pour la réclamation, j'ai vu un cercueil. Toute réclamation de la mort qui vient de ta nation, qui cherche ton corps, qui cherche ta vie, que cela retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus. C'est retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Dis retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Dis encore retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, oh mon Dieu,
toute réclamation de l'esprit de mort, d'émanation, afin que je sois enterré au nom de Jésus. Dans cette atmosphère prophétique, j'intercepte ces réclamations, ces appels de la mort. Break, break, briser, 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 briser. Pendant que j'ai prié, prie avec moi, mon frère. Renverse cela, brise cela. Shalabada bada bada bazi. Mekata la bre, kata la bre, abababababa. Shalabadaba. En ligne, priez. En ligne, priez. Shalabada bada 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 bazi. Zete kete le broto sanda bala bala bara. Zanta bala bara bala bala bara 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 bara. Tu ne mourras point, mais tu vivras. La parole de Dieu le déclare que tu ne mourras point, mais tu vivras. Pour rencontrer les œuvres merveilleuses de Dieu. Tout appel de la mort, toute réclamation de la mort, que cela retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Santa balabarabaraba. Le pora palamanda balabaraba. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Chantamalamalamaje. Paramamamatayamazo. Chantalamalabarabalakataba. Yanterebalabaraba. Tu sors de cet enterrement. Tu sors de cet empêchement. Tu sors de cette réclamation. Tu sors de cet appel. Tu sors, tu sors, tu sors. Shalababababalabaha. Zete perakatamanda balabase. Le parakatalabriaba santa balabara. Urabababaraba santa barabasa. Pandulabala paraba santa barabaya. Shendeberiaba santa barabarabaraba. Rekete reba santa barabada barabase. Rekatalabriaba santa barabadabara. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi victoire. Victoire. Dis encore victoire. Victoire. Dis encore victoire. Victoire. Dis encore victoire. Victoire. Pendant que tu pries, même s'il y avait ton frère qui allait mourir, ils ne vont plus mourir. Amen. Même si c'était ta soeur ou ton père ou ta mère, à cause de ta prière, ils seront épargnés. Ils seront épargnés. Ils seront épargnés. Au nom de Jésus-Christ. Troisième prière, on va prier toutes tes réclamations familiales. Qui fait que les gens puissent retourner dans une même place. Tout un système qui a été fait dans la famille, qui fait que les gens puissent tourner d'une même façon. Que ce système soit brisé aujourd'hui. Soit brisé par le feu. Élève ta main, c'est au nom de Jésus. Tout un système de malédiction familiale qui faisait que les gens tournent en rond, soient confus. In the name of Jesus, je décrète et je déclare que cette réclamation soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Réclamation des malédictions familiales par sang, par les noms, par raison de l'association familiale. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je brise. Je brise, je les brise, je brise, je les brise, et je sors pendant que je prie. Prie avec moi. Je vois le feu, je vois le feu. Je vois le feu, je vois le feu. Shalabadabadaba. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Shantabadabadabadabadabadaba. Reketebeabadabadabadaba. Et que ces réclamations soient brisées. Ces réclamations soient brisées. Que ces réclamations soient brisées.
Les réclamations familiales soient brisées. Les réclamations de famille soient brisées. Ma soeur, ça s'est fait. Mon frère, ça s'est fait. Prie avec foi. Demande-les avec foi. Shalamana malama seketelebe. Shalamana balabala balabala base. Yanna balabara barabara barabara base. Yanna balabara barabara barabara barabara. Sendeberia masanna barabase. Orabakata. Que ces réclamations meurent maintenant dans le nom de Jésus. Eleva Santa Malabre Catala Brase Maraba Baba Baseke Telebra Santa Malaza. Que ces réclamations meurent. Que ces réclamations meurent. Que ces réclamations meurent. Le réclamation familiale. Le réclamation familiale. Des malédictions. Des mauvais manifestations. Au nom de Jésus, que cela soit brisé. Ola bala kata la breke tele brise. Shala bada 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 bala base. Reke tele bria basanda bala bria base. Mora kata la bria manda bala base. Zete keze. Au nom de Jésus. Toutes tes réclamations, parce que je vis une femme ici, c'est comme si on réclame ton mariage tout le temps. Nous décrétons, nous déclarons. Il y a la délivrance qui se fait. Toutes tes réclamations qui réclament ton mariage là, de ne point se matérialiser. Toutes tes réclamations qui réclament le divorce, qui poursuit ta vie, que cela meure. Toutes tes réclamations qui réclament que tu sois toujours stérile, 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 que cela meure par le feu. Au nom de Jésus. Dis avec moi, meurs par le feu. Meurs par le feu. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, brise toutes ces réclamations. Brise cela. Brise cela. Que ce soit financière, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes business, que ce soit dans ta destinée. Brise cela. Oui, mon frère, comme ça, mon frère, ma soeur, comme ça. Combat comme ça, combat. Combat, tu combats un beau combat. Brise ces réclamations de divorce. Brise cela. Reketo la bria bada bala bara basi. Rekete le bere 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 basi. Combat, combat, combat. Shalabata bala bria bada 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 bada. Rato kaparato santa barata kata mandama. Rata kata manda bria bata la masoto maya. La prata koto la bria bada bada basi. Santa bala bada 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 basi. Le brakato rama santa bara 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 basi. Rianda basanda baraba katura masi. Riama sanda bala brekete le brebata. Le brosoto maja. Que ton mariage s'ouvre. Que ton mariage s'ouvre. Au nom de Jésus. Que tes finances s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta ventre la s'ouvre. Que ta destinée s'ouvre. Au nom de Jésus. Que tes mains s'ouvrent. Que ta vie s'ouvre. Que tes enfants soient ouverts. Que leur vie soit ouverte. Au nom de Jésus. Tout ce qui oppressait ta vie. Tout ce qui oppressait ta famille. Tout ce qui oppressait tes finances. Tout ce qui oppressait la manifestation de ta destinée. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la couverture prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es libéré. 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 Au nom de Jésus. Touche maintenant ton your belly here, from here. À côté de bas ventre. Voilà. Bas ventre.
C'est là où il y a les idoles. Maintenant, de côté père, ça demeure là. Toute idole de côté père, de côté père. Qui résidait dans ton ventre, au nom de Jésus, que cela sort. Vous allez sentir même des malaises. Ça va sortir. Il y a des gens qui vont tousser. Ça peut même aller même à vomir. Il y aura des malaises, mais ça sort aujourd'hui. Au nom de Jésus, prie cette prière avec beaucoup de concentration. Que ces idoles sortent. Tout ce qui était planté depuis ma naissance, venant des côtés de mon père, qui bloquait ma vie, qui dérangeait ma vie, qui compliquait mon destin. Au nom de Jésus, aujourd'hui tu sors. Je te déracine. Sors. Commence à prier. Voilà les manifestations. La puissance est l'Éternel. Délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez avec moi. Priez. 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 Prie avec force. Il y a la délivrance qui se fait maintenant. Il y a une forte délivrance. Yes. Ça sort, ça quitte ton corps maintenant. Ça sort et ça quitte ton corps maintenant. Merci Jésus. Ça sort et ça quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ, ça sort. Ça sort. Ça sort. Maintenant. C'est là, quitte ton corps, quitte ton corps, quitte ton corps. Quitte ton corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça sort maintenant dans le nom de Jésus. Prenez le sac. Oui, prenez le bassin. Il y a la délivrance qui se fait maintenant. Prenez un sac, une bassine. Au nom de Jésus, prenez les serviettes ou quelque chose comme ça. Continuez la prière. Il y a la délivrance qui se fait maintenant. Ne soyez pas distrait. Priez. Priez. Ça sort par le feu de l'Éternel. Ça sort par le feu. Le feu. Merci Seigneur. Et maintenant, tout seulement là-bas, je vais prier pour vous. Ainsi que aussi le prophète va prier pour ces places. Tout ce qui était implanté au-dedans de toi, pour détecter tes mouvements, pour détecter ce que tu fais, pour être informé tout le temps de tes mouvements, toute idole qui a été plantée au-dedans de toi, je le décrète et je le déclare que cela soit déraciné maintenant. Toutes les substances qui étaient plantées au-dedans de toi, qui étaient comme antennes, soient déracinées. Soit déracinées. Que ce soit en ligne, que ce soit ici présent. Reçois ta délivrance. Now. Reçois ta délivrance maintenant de ta tête à tes pieds. Reçois ta délivrance. Les anges sont en train de bouffer maintenant. Reçois. Au nom de Jésus.
Shalebas, Ribos, Cabran de Veria, Mazibra Anteveria Secete, Parusebri Antacatola Braze, Zinta Palacatole, Vicato Sebre in de Via, Secete la Braze. Élève ta main maintenant, élève vos mains, déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, je suis libéré. Je suis libéré. J'ai des craintes et je déclare. Aujourd'hui, je suis sorti de toutes ces prisons maritales, spirituelles, toutes les prisons familiales, toutes les prisons parentales, toutes les prisons nationales. Je sors pour ne plus retourner. 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 20 pas par la fois, c'est je sors pour ne plus retourner. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le prophète va faire une prière. Après cette prière, maintenant je commence par la grâce de Dieu, le service aux alentours. Écoutez la prière du prophète. Au nom puissant et au choix Mashiach, la stagnation prend fin aujourd'hui. Tu es libéré de la stagnation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tes bénédictions ont été enterrées, sous la mer, sous un arbre, dans les cimetières, tu sors avec tes bénédictions. Tu sors avec tes richesses. Au nom de Jésus, tout ce qui était bloqué, lâche leur emprise maintenant. Au nom de Jésus. Parce que là, tu es enveloppé du feu. Par le feu du Saint-Esprit. Que tout ce qui te bloque, relâche maintenant. Au nom de Jésus. Leur emprise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libéré de toutes les chaînes. Amen. Tu es libéré du célibat. Tu es libéré de la stérilité. Au nom de Jésus. Tu es libéré de la pauvreté. Amen. Tu es libéré des maladies incurables. Amen. Tu es libéré des maladies héréditaires. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi la pauvreté. Voilà. Je me sépare avec toi aujourd'hui. Amen. Je t'ordonne le certificat de divorce. Amen. Toi et moi, nous divorçons aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Pauvreté. Pauvreté. Je divorce avec toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Maladie héréditaire. Je divorce avec toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie familiale. Je divorce avec toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Je suis libre. De la pauvreté, des maladies incurables, des maladies héréditaires. Je suis libre par le nom de Jésus-Christ. Je suis libre de la sécheresse. Je suis libéré de la sécheresse. Au nom de Jésus, je suis libéré de la stagnation. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré de l'impudicité, de l'adultère. De la fornication. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré de la limitation. Au nom de Jésus. Je suis libéré de toutes les réclamations familiales. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je salue ta présence. Je bénis ta présence. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma couronne. Que la gloire te revienne. Pour toujours. Amen. Ne sont pas acclamés pour Jésus. Acclame Jésus. Acclame avec la victoire. Ah, c'est comme si vous avez fait la victoire. Acclame avec la victoire. Victoire.
Victoire. Victoire. Écoutez ceci. Maman Lise. Donc, ça, ce sera, mon, ça, ce sera ma chanson. Que je vais utiliser pendant toute cette nuit. Amen. Regardez ceci. Dans 2012 ou 2013, il y avait une femme, une maman qui est venue vers moi. Et elle est venue me dire son rêve. C'est ça, non? Et dans son rêve, elle ne savait pas qu'elle disait sa mort, même la date qu'elle va mourir. Pendant que j'écoutais son rêve, prophète, voilà ce que je vis. Je vis A, B, C. Est-ce que je peux expliquer comment c'était le rêve? Je peux expliquer? Elle a vu le rêve, elle était dans la maison, et dans cette maison, elle était avec sa fille. OK? Et sa fille, soudainement, dans la maison, le sewage. Ah, les ordures. Sewage. Oui, les ordures. C'est les ordures, hein? OK. Ça commence à sortir. Et ça commence à envahir la maison. Alors,
quand les ordures sortaient, hors de cette ordure, dehors de la maison, il y avait ses parents. Et ses parents étaient morts. Oui. Alors, sa fille lui dit, maman, la maison maintenant est très sale, sortons, soyons dehors, jusqu'à ce qu'on va laver la maison et puis on va retourner. Avant que sa fille puisse dire cela, soudainement, il y avait l'aigle. L'œuf, un œuf. Un œuf est sorti de cette ordure. Et ça avait jump. Ça avait sauté 1, 2 et demi. 1, 2 et demi. Et soudainement, maman a sauté cet œuf pour aller et sortir pour aller dehors. Maintenant, lorsqu'ils étaient dehors, il a vu maintenant qu'ils ont lavé la maison. La première des choses, il a vu le parent au-dedans de la maison. Et maintenant, sa fille, maintenant, lui dit, maman, retourne à la maison parce que la maison est maintenant clean, propre. Et elle se réveille. J'ai dit à la maman, j'étais très triste pendant que je la regardais parce que j'avais déjà l'interprétation du rêve que Dieu m'a dit. Pourquoi? Dieu m'a dit ceci. Première des choses, l'ordure. L'ordure signifie le sang. La maison signifie le corps. Donc il veut dire que le rêve est en train de dire que son corps est en train d'être détruit. Et c'est par le sang que le corps était détruit. Vous savez maintenant? C'est par le sang qui détruisait son corps. Alors, dans ce sang-là, ça prédestinait le temps et les jours qu'elle allait mourir. Pourquoi? À partir de cette ordure, il y avait quoi? L'œuf. Hein? L'œuf est sorti et ça sautait 2 fois et demi. Donc, il veut dire que la fille était enceinte. La fille était enceinte. Donc, il veut dire que lorsque la fille mettra au monde, l'enfant aura 2 ans et demi. Et c'est par là que la maman sera morte. Alors, la fille demandait à maman de sortir ainsi que d'entrer. Ça, c'est l'hôpital. Donc, il veut dire qu'il y aura un appel, c'est ça? Un appel. Il y aura un appel pour elle d'entrer à l'hôpital. Elle va recover. Hein? Il va recouvrir. Elle peut encore l'appeler et c'est par là qu'elle va mourir. Alors, j'ai regardé la maman. J'ai dit que je ne peux pas interpréter ses rêves à ses yeux. Pourquoi? Parce que je vais prédire sa mort et tout cela. Pourquoi? Les rêves sont très importants. Les rêves, ce sont des choses n'est jamais joue avec. Alors quand je vois les prophètes faire des prières sur les rêves, il ne faut jamais manquer. Parce que même le président de l'Amérique, il a vu sa mort dans les rêves. Dieu nous parlait dans des rêves. Et surtout, quand l'ennemi veut t'envoûter, il envoûtait dans tes rêves. C'est pour cela que tu te réveilles, tu sens que j'ai rêvé quelque chose, mais je ne me rappelle pas. Mais Dieu t'a donné déjà le signal qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Mais l'ennemi est venu quoi? Aveuglé. Mais je déclare tous tes rêves vont venir en vie. Alléluia. Ma soeur, je peux prier pour toi. Parce que si on ne prie pas pour toi, tu es sous l'oppression. Je vois l'oppression tout autour de toi, même les pensées là. Tu sens comme si tu écoutes des voix. Tu écoutes des voix. Hein? Parle-moi, maman. Oui. Dieu de visite là. Alléluia. Je confirme. Ah. Tu écoutes des voix. Et cette voix, c'est fait que tu sois dépressif. Tu deviens dépressif. Pourquoi aussi l'ennemi t'attaque aussi dans des rêves? Donc quand? Dans des rêves. Et tout cela amène les oppressions de sorte que tu es fatigué de la vie. Tu es totalement fatigué de la vie. Parce que tous ces attaquants, ça provient de la place appelée Côte d'Ivoire. Et ça cherche ta vie et ta tête. Quand nous allons prier aujourd'hui là, ça sera intercepté. Prophétie. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que c'est vrai? Ok. Donne-là le micro, s'il vous plaît. En Europe, ici, quand on prophétise, les gens se tiennent calmes. Mais lorsque vous êtes un à un, prophète, c'est vrai. On doit parler tout. Regardez votre prophète, il est très ouvert. Amen. Alléluia. Maman, toutes ces voix que tu écoutes là, ce ne sont pas des voix, ce sont des gens qui ont été parlé négativement à Côte d'Ivoire contre toi. C'est la sorcellerie. Et nous devons intercepter cette force et la sorcellerie. Avance. Est-ce qu'on peut intercéder là, attaquer aussi?
Pourquoi? Dans la prophétie, c'est quoi? Quand je touche à son cas, tu peux aussi avoir le même cas. Quand elle est délivrée, toi aussi tu es délivré. Amen. Alléluia. Amen. Alors toute oppression qui est sur ta tête maintenant là, sur ta tête, qui oppresse ta vie, tu sens toutes ces voix, tu sens toutes ces complications, même dans tes rêves. Dieu est ici pour te délivrer. Amen. Ne pleure pas. Dieu est là pour te sauver. Prophète, on peut prier ensemble pour les gens? Oui, ok. Toute oppression qui se manifeste dans tes rêves, sur ta tête, pour t'oppresser, dans tes pensées, toutes tes voix que tu écoutais là, pendant que la main de l'homme de Dieu vient sur toi, cela sera brisé. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, étendez vos mains pendant que le prophète est en train de prier. L'oppression tombe. Toutes ces voix maléfiques, sois silencieux. Sois silencieux. Merci Seigneur. Sois libre. Libère. Commande sa liberté. Commandez sa liberté. Je libère tes pensées maintenant. Je libère tes pensées, ton visage. Je libère ton nom depuis la Côte d'Ivoire. Reçois ta liberté maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Fire. Nom de Jésus-Christ. Ne retourne plus. Ton esprit impur. Yes. Ne retourne plus dans son corps. Yes. Je bouche tes oreilles. Yes. Tu n'écouteras plus. Yes. Les voix sataniques. Yes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La dépression n'a plus de pouvoir sur ton corps, ni sur tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Lève vos mains, remercie Dieu pour ça. Merci Saint-Esprit de l'Éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. 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 Merci Saint-Esprit. Ma soeur, écoute-moi. Ce n'est pas pour rien que tu es ici. Ok? Ce n'est pas pour rien que vous êtes ici. Marche avec tes prophètes. Ok? Il y aura un temps qui arrivera. Que tu vas écouter beaucoup des choses et l'influence pour t'amener hors de cette couverture. Ne fais pas ça. Reste. Et Dieu te fera du bien. Ok? Parce que les combats que je vois qui viennent de ce côté-là, ce n'est pas des combats petits. Oh. Ça cherchait même à tuer ta vie. Mais à cause de la couverture, tu es épargné du mal. Parce que la nuit, je sens comme s'il y a un esprit qui vient pour visiter la nuit. Et tu sens cette oppression la nuit. Mais par la grâce de Dieu, des prières que tu suis matin, soir, là, ça a épargné ta vie. Même la maladie là qui voulait que tu puisses tomber malade, Dieu t'a épargné de ça. Reste sur la couverture. Au nom de ton prophète. Souvent, quand je prophétise comme ça, c'est bien de recevoir la prophétie. Mais la prophétie est soutenue avec la sémence. Ok? Amen. Pourquoi? C'est très important. Le prophète l'a dit par les témoignages, par sa sémence que Dieu a intervenu pour lui. Alors c'est très important prophétiquement, lorsque la prophétie vient, il faut toujours s'aimer après la prophétie et entrer dans la prière. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pas chez moi, chez les prophètes. Alléluia. Pas chez moi, chez les prophètes. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Quand vous êtes fatigué comme ça, je ne vais pas prophétiser. Oh. Quand les amens, c'est amen. Amen. Alléluia. Je vois le miracle arriver. Je sens.
dans rien n'est impossible. Je crois en Dieu, donc tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Oh, je vois, je vois. Moi, j'entends. Moi, je le sens. La pluie, j'entends le tonnerre. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois mon miracle. Au nom de Jésus, oui je vois mon miracle. Oh yeah. Je vois moi j'entends moi je le sens, je le sens, c'est plus fort que moi, je le sens. Jesus, miracle arrive. Ah, amen. Amen. En fait, ces filles, c'est, je vois que leur maman doit venir ici dimanche. Leur maman doit être ici, si c'est possible. Il faut dire à leur maman d'être, votre maman d'être ici. Parce qu'il y a une couverture de la prière qui doit se faire sur votre maman. Parce que je vois un esprit de mort sur elle, venir sur elle. Hein? C'est impossible? Uh-huh. Est-ce qu'elle aime cette église? Elle est catholique. Elle est catholique. Goodness. Hey. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Même si catholique là, vous allez faire pour sa propre vie. Parce que là, je vois comme une attaque dans son corps qui veut se tourner en cancer. Oui, c'est vrai. Ah. Yes, professeur. Elle a des problèmes. Elle a des problèmes de diabète et de pancréatite. Pancréatite. Oui. L'Éternel, Dieu veut changer. Parce que quand on priait là, Dieu veut intercepter tous tes plans qui cherchent à mener la mort dans la famille. Parce que vous aimez votre maman, elle, va beaucoup, elle vous a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup aidé. Alors c'est pour cela que Dieu veut intervenir pour son cœur. Alors ce qu'on doit faire maintenant, on doit vraiment intercéder fort. Elle doit être ici, si c'est possible, elle est dimanche. Ok? Et le prophète va le oindre, on va prier pour elle. Toutes ces choses que l'ennemi voulait qu'elle puisse mourir dans 2023. Yes. Ça sera intercepté, ok? Faut pas pleurer. Quand on prophétise comme ça, faut pas pleurer, ok? Dieu révèle pour que ça soit brisé. Ah, oh, ok, tenez vos mains, ok? Priez pour elle que ce plan maléfique soit brisé. Priez pour elle. Nous déclarons la vie, nous déclarons la vie. Nous proclamons la vie dans le nom de Jésus. Mazata kato la bretese. Manifeste toi. C'était que célébré que c'est. Manifeste-toi, Yeshua. Maraka soto malabrese. Manifeste ta bénédiction. O salabra kato la bretese. Manifeste. Usadi anta la bretese que c'est. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare vous êtes couverts. Dieu vous fera des grandes et vous amènera grand. Ok, il amènera dans des grandes places, il fera des grandes choses avec vous. Mais restez fidèles à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne sur Umba? Vous êtes où? Ah. Professeur. Allô? Allô? Hello. Allô? Amen. Hey. Je dis allô. Je dis quoi, oui? Ah yes, oui. Yes. Comment vous allez? Ça va. Je vais vous parler des choses, ok? Mais la première des choses que je vais vous dire, c'est ceci. À part des choses que je vais vous dire, vous êtes appelés à servir Dieu avec le prophète. Amen. Oh my God. Oui, je veux un appel de l'Éternel Dieu sur sa tête. Amen. Wow. Oui. On vous a dit que vous allez, vous avez déjà écouté comme ça, qu'il y a un appel de Dieu sur vous, que vous allez servir Dieu? J'aime beaucoup Dieu.
Vous aimez beaucoup Dieu. Je servais déjà Dieu là où j'étais. Waouh. Waouh. Mm. Alors, qu'en est-il maintenant que tu sois restauré encore de servir Dieu? Il y a un cas que le prophète connaît, donc... Ok. Pourquoi je dis ça, papa? Le mari a des problèmes. Professeur. Mais les soucis du mari ne puissent point te stopper de marcher et d'aller au-devant de ce que Dieu a pour toi. Amen. Ok? Les soucis que tu as, ça, les soucis que tu as, ça, ça, ça. Hein? Mm. Il ne peut pas ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas. Vous comprenez? Mm. Que cela ne puisse pas te bloquer. Amen. D'entrer dans la place où tu dois servir l'Éternel. Amen. Pourquoi? Je vois aussi de toi-même, je vois un appel que tu... Je ne sais pas, mais prophète, on doit intercepter ça. Mm. Je vois un appel à l'hôpital où on prescrit quelque chose. Et ces prescriptions, ce n'est pas pour les maris, mais c'est pour elles aussi. Mm. Que nous devons intercepter là dans la prière. Parce que Dieu l'appelle à servir Dieu ici à Kasserima. Amen. Oui. Je ne sais pas, mais je vois comme pasteur. Amen. Tu vois conseiller des gens parce que tu as ces dons de conseil. Amen. Tu conseilles les gens. Et lorsque tu parles aux gens, les gens se sentent hein, release. C'est vrai, même dans mon lieu de travail, c'est comme ça. Merci. Les gens se reposent sur moi. Elles n'ont pas acclamé pour le Seigneur. Yes. Yes. Mais le problème est ceci. Ce n'est pas normal ce que ton mari est en train de faire face. C'est une attaque spirituelle. Et qui provient du côté de sa famille. En fait, même, on cherchait même à éliminer sa vie. Mais si ce n'était pas toi, à la connexion aussi dans la prière, il se tient encore. Le prophète l'avait même dit. Ah, acclamons-vous le Seigneur. Yeah. Professeur. Maman, vous avez un ministère, je vois ce ministère et ce ministère fera connecter ensemble avec ce que le prophète est en train de faire. Marche avec lui parce qu'il y aura une très grande demande qui va commencer très grandement sur Kasserima. Les gens avec des problèmes, des soucis qui chercheront les gens à parler. Et vous avez ces dons, Dieu va les mettre en disponibilité pour toucher les gens. J'ai déjà fait cette prière, j'ai dit à Dieu de me faire prospérer, de me rendre riche pour son œuvre. Waouh! Yes. Que Dieu le fasse. Amen. Amen. Yes. Regardez ceci. On va prier pour elle que toutes tes prescriptions que l'ennemi cherche à mettre à l'hôpital sur sa santé, ce qui se fait en son mari, que cela ne puisse pas se faire aussi en elle. Mais que la grâce de Dieu puisse l'accorder cette force de sortir. Yes. Et d'échapper à cette flèche que l'ennemi cherche à envoyer vers elle. Au nom de Jésus. Que Dieu l'épargne, que Dieu l'épargne, que Dieu l'épargne. Est-ce qu'on peut prier pour elle dans le nom de Jésus-Christ? Priez pour elle, priez pour elle, priez pour elle. Maramase keto, sabrande veriase. Que toute flèche. Shalababanda basekete. Seketo rabasata la brekete. Que ces flèches soient brisées et retournent à l'expéditeur. Sakata, prophète, c'est à toi, je vous prie pour un. Vous pouvez voir. Donnez-moi lui. C'est à prophète, Vandana. Nous décrétons, nous déclarons que ces flèches retournent à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Par cette huile, nous déclarons que les ministères qui est caché en toi viennent en vie. L'appel de Dieu dans ta vie soit restauré. Soit restauré. Soit restauré. Soit restauré. Tu ne seras plus étouffé, mais reçois la vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Maman, est-ce que votre mari aime ce ministère? Il sait de rien. Wow. Ah. Mais tout ce que je vois, c'est que l'ennemi avait planifié pour le mal, ça va tourner pour le bien.
Jésus. Ça va tourner pour le bien. Il y aura quelque chose qui va tourner comme ça. Au nom de Jésus. Okay? Si Dieu te demande d'être connecté avec une semence particulière avec l'homme de Dieu, ne manque pas à faire ça. OK? Parce qu'il y a aussi des connexions que tu fais qui réclament et qui appellent pour l'intervention. OK? Parce que cet homme ici, tu dois beaucoup élever de prières pour lui et beaucoup de choses pour lui. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui doit venir vers toi, mais aussi pour lui. Son rétablissement sera un témoignage pour toi. Au nom de Jésus. Ouais. Alors, sois fort et Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Elles ne sont pas acclamées pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, ça sera chaud. Hein? Hein? Bonjour, papa. Comment vous allez? C'est bonjour, non? Oui. Bonjour. Ah, c'est bonjour. Comment est-ce que vous nous retournez? Bonsoir. Bonjour. Dis à ton prochain bonjour. Bonjour. Dis à ton prochain bonjour. Bonjour. Thank you, Jesus Christ. Merci, Saint-Esprit de l'Éternel. Merci, Seigneur. Papa, comment vous allez? Ça va. Je prie pour vous. Venez ici. Toute attaque de heart attack, arrêt cardiaque, tout ce que l'ennemi avait prévu de causer arrêt cardiaque, je te vois penser beaucoup. Hein, qui te fait penser comme ça? C'est votre femme? Oui, c'est qui? C'est les enfants aussi. Hein? Qu'est-ce que tu veux que ça arrive à, qu'est-ce que tu expectes de tes enfants? Non, j'ai une fille, vraiment, il y a 5 ans. Ils ont fait un grand mariage et avec son mari, ils ont prévu qu'ils vont avoir 2 enfants. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont séparés maintenant. Parce que. Merci beaucoup. Ouais, le mari dit qu'il ne veut plus avoir d'enfants. Le mari? Oui, il dit qu'il ne veut plus avoir d'enfants. Ils ont déjà combien d'enfants maintenant? Non, ils n'en ont pas. Et ils n'en ont pas. Pas. Hey! Ils sont séparés. Hey, ici on donne les enfants, il y a l'onction ici. Oh. Donc, sans problème, ça me donne un grand souci. Ah. On lui demande de divorcer et on ne sait pas ce qui l'empêche parce qu'elle est jeune encore. Elle a toute sa chance de faire sa vie. Le diable est un menteur. Amen. Est-ce qu'elle est ici en France? Non, et actuellement elle est en Côte d'Ivoire parce que j'ai mon fils qui est là-bas. Ils ont eu un garçon. Donc, elle travaille à Montréal. Ok. Je vais la dire ceci. D'être connecté le dimanche et d'avoir 3 fruits avec elle. Ok? Oui. 3 fruits avec elle. Oui. Dans les services, on va prier pour ses fruits. Elle va manger ça. Elle va voir ce qui va se passer. Yes. Criez victoire. Victoire. Criez encore victoire. Victoire. Comment vous allez? Comment vous allez? Ça va. Comment vous allez? Lui, il va savoir. Oui. Lui, il va bien. C'est quoi votre nom? Léonard Losso. Léonard. Bien. Oui. Fais des pas. Stop there. Stop it. Stop it. Mets votre pied ensemble. Amène-moi cette huile. Si c'est possible, vous pouvez enlever vos chaussures? Oui. Mm-hmm. Alors, votre femme, vous êtes mariée? Oui. Votre femme, elle est où? Elle est à la maison. Mm-hmm. Enfin, effectivement. J'aime ça, effectivement. Quand un homme dit effectivement... Vous savez, vous savez. Ah, j'aime mon papa. Nous ne sommes pas en bon terme, c'est pour ça. Ah, vous n'êtes pas en bon terme. Non, non, non. On est mariés, ça doit faire à peu près 6 ans. Parce que, bon, la maman de mes enfants, elle est partie. Et puis, celle-là, celle qui m'a fait le premier enfant. Et puis, elle aussi, elle était divorcée. Donc, on s'est retrouvés. Et puis, on s'est mariés. Mais c'est pas ça. J'allais arriver là. Toi, tu m'as précédé. Vous avez déjà précédé.
Ok. D'accord. Papa m'a dit de l'inviter ici la fois dernière. Elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas. Papa, elle ne veut pas venir. Donc, il veut dire que son cœur n'est pas attaché avec Dieu, alors si elle ne veut pas. Non, c'est que c'est un peu compliqué, mais je ne peux pas. Mais elle est croyante. Laisse-moi dire ça comme il faut. Oui. Elle croit en Dieu. Elle croit en Dieu. Oui. Elle croit en Dieu. Mm-hmm. Mais le problème, c'est avec ce système prophétique et les églises prophétiques. Et ils croient que ce sont des fraudeurs. Voilà. Mais sa délivrance, ça sera ici. Là, je vous dis la vérité. Oui, oui, papa m'a dit de l'amener, elle ne veut pas. Papa Blaise, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dernièrement, il a fait un rêve. Oui. Il voyait sa femme traverser le mur. Traverser le mur? Oui. Parti où? Sa délivrance est connectée dans cette église. Pourquoi? Il y aura la délivrance qui sortira de main de l'homme de Dieu pour prier pour elle. Et ça sera une nouvelle saison dans ton mariage. Ok? Parce que cette attaque, je vois des cardiaques. Hein? Cardiaques. À cause de ses pensées, tout cela. Ce n'est pas seulement à propos de tes enfants. Aussi ta femme fait part de ça. Hein? Oh, oui, ça. Oui. Oui, oui. Hein? Alors, parce que je regrette beaucoup de l'épouser aujourd'hui. Wow. Ok, vous pouvez mettre ça en ligne. Hein? On est en direct. Hey. Ouais, les femmes. Je ne veux pas avoir de on veut pas avoir de problème. Quand vous poussez un homme, commence à regretter, ça c'est grave, ça quoi. C'est grave. J'aime son son honnêteté. Ok, qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse faire aujourd'hui? Je l'élimine, s'il vous plaît. Docteur, chirurgien sans anesthésie. Il est là. Il a dit, on ne doit pas laisser les sorciers vivre. S'il y a la possibilité, il faut traiter avec eux sur la tête. Parce que quand ils vont se repentir vers la fin, là, ils vont entrer directement au paradis. Il faut finir avec eux sur la terre. Les prophètes n'ont pas de pitié. Hein? Ah. Ou bien on demande à Maman Lise. Hein? Hein, Maman Lise. Qu'est-ce qu'on fait avec une sorcière? Ok. Oh mon Dieu. Ok. Votre cas, c'est vraiment très délicat. Et vraiment très délicat. Et c'est déjà en dehors, mais avec le prophète, on sera à part. Et pour mieux conseiller encore, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok? Parce que même dans la Bible, il y avait un prophète qui s'est marié avec une prostituée. Ok? Cette femme que je vois, je sais que vous avez fait face à beaucoup de difficultés. Il y a ça et là. Même elle aussi, il y a des réclamations qui viennent du côté de sa famille. Yes. Et qui se manifeste par tous ces actes qu'elle est en train de faire. Mais Dieu, par sa grâce, si elle s'humilie, elle vient pour demander la prière, Dieu aura pitié d'elle. Ok? Oh, je ne sais pas pourquoi elle a peur du prophète, parce qu'elle a joué un coup avec moi. Elle a peur du prophète. Oui, oui. La peur de feu. Hey. Hey. Parce que là, moi, vraiment. Elle est partie avec un propriétaire que j'ai là-bas. Hey. Aujourd'hui, je suis. Vous avez. Vous avez Bayon. Non, je n'ai pas parlé à le prof. Avec. Je crois qu'on a parlé de ça une fois. Mais comme tu m'as dit que c'est mon nom qui est sur les dossiers, elle est faillie, elle croyait qu'elle peut aller changer le nom à son nom.
Et ça n'a pas marché. Amen. Je suis en train de refaire les papiers. Mais ma grand-sœur m'a appelé là-bas pour lui demander, elle dit qu'elle n'a pas pris. Donc, prophète, donc Dieu, c'était pas un rêve. Dieu va le réveiller. Mmh. Et il était assis. Et sa femme était en train de dormir. Et il disait, je traverse le mur. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Ok? Dieu va te délivrer aujourd'hui. Toute association qui n'est pas bonne, ok? Dieu te verra. Mais je sens que ta situation demande des prêts. Ok? Pour la sagesse, on va parler à côté. On va voir qu'est-ce qu'on peut toucher et qu'est-ce qu'on peut prier aussi avec le prophète. Ok? Si vous devez être dans des jeûnes et prières concernant cette situation, afin que son âme soit sauvée, sa vie soit délivrée, pourquoi pas? Dieu est à notre côté et il interviendra. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vois son cœur, il a un cœur pur. Amen. Vous le connaissez? Oui. C'est une personne bonne. Il veut le bien des autres. Même dans la lueur qui vient, je vois que par la grâce de Dieu, Dieu va te faire grâce. Je vois comme si il y a une ouverture des orphelinats en Afrique. Que Dieu va te toucher, que tu puisses faire ça. Oui, j'ai cette idée-là. Hein? J'ai cette idée-là. Oh. Amen. Dieu est ici. Amen. Je vois cet orphelinat s'ouvrir et Dieu te bénit financièrement, grandement. Actuellement, je suis à la retraite. Vous êtes à la retraite. Mais je travaille avec une société où je transportais des enfants audits. Je fais 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc, j'ai discuté avec le directeur et tout ça. Vous avez la famille aussi? La famille... Je suis de la famille Lawson. Hein? Vous avez un frère? Oui, bien sûr. OK. Pourquoi? Je vois un frère vraiment qui vous... Je ne sais pas, je suis en ligne, hein, mais... Maintenant, je suis un peu prudent. Je vois un frère en train de parler négativement contre toi. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais il est seulement contre toi. Et il parle négativement. Comme nous sommes beaucoup, mon père, c'est un polygame. Et... Donc, on n'est plus de 20. Ok, on finit là. Étendez sa mort vos mains. Donc, beaucoup de demi-frères, je ne peux pas. Tout celui qui est comme frère et qui marche dans les witchcraft, dans la sorcellerie, afin que tes trucs-là, que tout ce que tu touches, ça puisse tomber et que rien ne puisse marcher. Que mon Dieu te délivre aujourd'hui. Amen. Étendez vos mains maintenant. Brisez cette chose-là. Toute cette sorcellerie soit brisée. Shalababababababa. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Même les chaussettes. Allez, Maman, comment vous allez? Je vois, pendant que je me parle, je vois tes yeux en train de te toucher. Je vois des visions venir dans ta tête. Des visions. Et c'est comme des manifestations prophétiques. Vous êtes dans le ministère? Dieu va vous utiliser dans des visions. Je vois des visions. Visions. Vous êtes congolaise? Ah. Oh Mona. Alléluia. Je vois des visions. C'est un appel. C'est un appel ou un appel? Un appel. C'est un appel que Dieu vous appelle. Et il va vous toucher dans cette place. Mais l'Éternel me demande de vous dire, quand il y a des chaos, quand il y a des chaos, des troubles dans la famille, ne mettez pas des attentions. Parce que quand vous êtes dérangé par ce qui s'est fait dans la famille, ça touche à votre onction. Et cela déstabilise la façon de fonctionner dans les systèmes prophétiques.
Vous avez un père? Voilà. Wow. Voilà, il va prier pour vous. Il va prier pour vous. Que cette grâce se manifeste puissamment sur vous. Au nom de Jésus. Oui, bon. Hey, j'aime. C'est mon panga. Amen. J'aime ça. Il faut amener l'offrande. Tu as écouté? Sérieux? Wow. Voilà. Ça allez, explique des visions qui viennent sur vous. Professeur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mais avec l'eau, avec la sémence. Père, je prie ton serviteur que sa vie soit transformée. Délivre sa vie, Seigneur. Enlève-lui de toute oppression maléfique. Délivre-lui complètement. Souviens-toi de lui et arrache-lui hors du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vas-y. On va parler à votre fille. Dimanche, elle soit connectée. Il y aura des grandes choses qui vont se faire. Ok? Vous avez écouté comme l'homme a dit, avec la sémence, amenons les sémences. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je vois un ange derrière toi. Et tu t'étonnes. 1, 2, 3, 4. Hein? Viens. Merci Saint-Esprit. Il y a une personne ici comme Rachel ici. Viens, je vais prier pour toi aussi. Merci Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Professeur. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va. Vous êtes guéri où comme ça? En fait, on a une maladie héréditaire dans la famille. Dans la famille. Vous croyez en Dieu? Oui. Que Dieu va faire quelque chose? Hein? Ton père spirituel est là. Donc il veut dire que tu ne peux pas mourir. Et ça finit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens là. Papa, ceci, je veux te demander votre aide. Et son père est ensemble. Je veux son onction. C'est héréditaire. Mais ça va tomber aujourd'hui. Au nom de dans Jésus. Les noms puissants de Jésus. Que le royaume de Dieu descende dans ta vie au nom de Jésus. Que le royaume de Dieu descende dans ta vie au nom de sois Jésus. La guérison. Je supprime cette maladie dans ton corps au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Depuis ses racines, je les supprime, je les déracine. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Sors! Toi, esprit impur, lâche ton emprise maintenant. Libère-la complètement. Tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de au Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allez, reçois! Reçois ta délivrance, là. Ta liberté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Libère! Yes. Libère! Yes. Toi, esprit impur, sors! Yes. Sors, je dis! Libère-la complètement. Sors. Va-t'en. Et ne retourne plus au nom de Jésus. Reçois un nouveau vent. Entre dans ta nouvelle saison. Entre dans ta nouvelle saison. La santé, la bonne santé. Non, 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 non. C'est trop fort. Tu dois quitter ce corps. Non, 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 non. Tu dois quitter ce corps. Allez, sors. J'ai dit sors. Quitte ce corps. Déclarez le feu, déclarez le feu. Feu de Jésus-Christ, le feu. Reçois le feu. Le feu. Reçois le feu. Le feu de l'Éternel. Depuis la tête jusqu'au pied. Le feu de l'Éternel. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. 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 Va-t'en. Sors. Libère-la complètement. Va-t'en. Ne reviens plus au nom de Jésus. Complètement dans les noms de Jésus. Allez.
ne retourne plus ici dans ce corps. Voilà. Fire. Au nom de Jésus-Christ. Fire. Reçois le feu du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Thank you very much. Vous allez, maman. Est-ce qu'on clame pour Jésus-Christ? Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Mon Dieu va te récompenser de tous tes sacrifices, de tout bien que tu fais dans l'église de l'Éternel. Dieu va te récompenser. Il y a une nouvelle saison qui vient dans ta vie. Il y a une saison fraîche. Où je te vois témoigner. Je ne sais pas même pourquoi je te vois témoigner. Il y a un sujet particulier que tu t'attends de Dieu. Et je le vois se déclencher. Yes. Et ça arrive rapidement dans la grâce de Dieu. Yes. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Ah, on dort déjà. Je vais continuer le dimanche. Ah, vous dormez. Professeur. Que ta récompense vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'accorde cette récompense. Au nom de Jésus. Toutes tes récompenses qui ont été bloquées, que Dieu puisse amener cela. Amen. Reçois ta récompense. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et que toutes tes prières que tu demandes à Dieu, que cela puisse s'accomplir. Au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela de la part de l'Éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi un grand amen. Amen. Dis encore un grand amen. Amen. Dis encore un grand amen. Amen. Et Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut danser un peu, maman? On peut danser un peu, juste un peu. On peut. Chamouka, chamouka, chamouka. Amen. Hein? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Yeah, yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, non, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, yeah, yeah, yeah. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je raconterai, je raconterai. Je raconterai les œuvres de je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Non, je ne mourrai alléluia. Pas, je vivrai. Alléluia. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, non, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, yeah, yeah. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Écoute, écoute. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas. Non, non, non. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non, 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 non. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Danse un peu. Il m'a sauvé. Alléluia, Hosanna. Ah, Hosanna. Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia, Hosanna. Ah, Hosanna. Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a sauvé. Je marche dans la vallée de l'ombre.
l'ombre de la mort, je ne crains danse aucun un peu, mal. Danse un peu pour le Seigneur. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure, je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, c'est non, une déclaration, non, déclaration. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, yeah. Je raconterai les œuvres des mensonges. Je raconterai les œuvres des mensonges. Je ne mourrai pas. Je vivrai, oui. Je réussirai, oui. Je prospérerai, oui. Je travaillerai, oui. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, non, 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 non. Ma folie est, c'est Jésus. Milala, 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 milala. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Dans le nom de Jésus, je le décrète et je le déclare, tu ne mourras point. Amen. Mais tu vivras. Amen. Tu sors de cette veillée si transformée. Amen. Pour ne plus retourner dans toutes ces prisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare dans cette atmosphère prophétique, ta destinée va briller. Au nom de Jésus. Ta vie va briller. Tes enfants vont briller. Tout ce qui est de toi va briller. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu reçois, reçois cela. Ou bien je parle en ligne, je déclare aux gens qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu visite au peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a une femme qui est connectée, il s'appelle Alice. L'Éternel Dieu la visite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alice du Canada, que Dieu la visite au nom de Jésus-Christ. Que Dieu la visite. Que Dieu la visite. Que Dieu la visite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quoi votre nom? Léonard, Léonard. Viens ici. Nous devons prier pour toi parce que je vois une influence. Je vois une influence de sacrifice satanique de côté famille. Et qui sacrifie les destins des gens. Les destinées des gens. Est-ce que vous m'écoutez? Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, mais il y avait une influence où les gens qui étaient exposés dans des... Hein, la puissance, le pouvoir. OK? Ah, les pouvoirs. Et il y a des gens qui ont fait des sacrifices négatifs de côté de la famille et qui a influencé négativement l'histoire des gens dans la famille, même toi particulièrement. Il y a comme si quelque chose qui est venu sur toi et qui a attaqué tout ce que tu avais. Et c'est comme si tu avais construit, tout a été brisé. Amen. Amen, ça veut dire quoi? C'est vrai. Professeur. Mais je vois une nouvelle saison en train de venir. Yes. OK? Pourquoi? Je vois comme si, comme la Bible a dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc c'est comme si quelque chose, Dieu veut commencer avec toi pour toucher toute la famille. Yes. Amen. OK? Professeur. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est qui. Je vois une femme que tu dois sécuriser beaucoup dans la prière et même être connecté beaucoup avec l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que je vois un esprit de la mort en train de la chercher. Amen. Tu connais de qui je suis en train de dire? Oui, oui. C'est qui? Ma tante. Ta tante, OK. Yes. Professeur! Acclame le Seigneur.
L'année prochaine, cette année prochaine, ça, janvier, février, 23, comme ça, je vois une attaque qui vient sur elle. 23 février. Supprime ça à l'homme de Dieu. Nous devons, je ne sais pas, elle est connectée avec l'homme de Dieu. Oui, oui, mais là, elle dort. Elle dort. Mmh. Ah, j'aime ta réponse. Mmh. Et les gens ici sont honnêtes. Hein? Ah, j'aime la France. C'est pas comme les Kenyans vont cacher. Elle ne peut pas dormir. Pourquoi? L'ennemi cherche afin qu'elle puisse quoi? La terminer. Pourquoi? Parce que je vois des sacrifices. Il y a des sacrifices. Alors, elle doit s'attacher prophétiquement avec l'Église afin que sa vie soit délivrée. Marche avec moi. Marche dans la nouvelle saison. Marche. Entre dans la nouvelle saison. Amen. Touche ton cœur. Toutes les réclamations qui viennent de Gabon. Ouh. Amen. Wow. Professeur. Professeur Gabon. Qui cherche ta vie? Ça sera intercepté maintenant. Au nom de Jésus. Son cas est différent. Beaucoup différent. Et c'est urgent. Donc c'est comme si on a enterré quoi. On enterre les étoiles des gens. Si tu n'es pas dans leur cas, on te finit. Si seulement tu dis que je vais suivre Jésus, on détruit tout. Bande de sorciers. J'en sens pitié. Et nous aussi, nous serons sans pitié contre nous. Votre tante là, elle va être là le dimanche? Oui, elle m'a dit qu'elle devait être là. Elle doit être là. Et le prophète, on va vous mettre en déjeuner et prière. Hein? Les gens qui sont dans les pouvoirs, ils aiment beaucoup utiliser les prophètes. Hein? Pourquoi je dis ça? Les gens peuvent aller dans les marabouts, ils donnent beaucoup. Mais lorsqu'il arrive un prophète, vous prenez ça à la légère. OK. L'office prophétique est au-dessus des marabouts. Les marabouts se soumettent à l'office prophétique. Ils sont même enseignés par les prophètes. Pour sa vie d'être épargnée, ok, qu'elle soit ici le dimanche. Amen. Tout ce que Dieu mettra au cœur de l'homme de Dieu, que cette femme doit faire, elle doit le faire. Elle doit la faire, ok? Amen. C'est ça toute conscience. Oui, papa. Sa tante, je crois hier, sa rivale, parce que sa tante était la femme d'un homme puissant au Gabon. Et hier, sa tante, sa rivale, l'avant-hier, je crois, la maison de sa rivale a pris feu par la foudre. Donc, quand on faisait des prières de foudre, là, donc, sa maison a été cassée. Lorsque vous êtes en train de faire les prières, et ça se passe là-bas, voilà. Et physiquement. Oui, oui. Ah, ils ne sont pas acclamés Jésus-Christ pour ça. Ah. Et hier, sa grande sœur, elle est morte. Hé. Hey. Ouais. La grande sœur, hier. C'est elle qui tenait des fétiches de sa petite sœur. Léonard, Dieu t'aime beaucoup. Ok? Et il voit le service que tu es en train de faire ici. Dis-la de venir. Elle doit se tenir très fortement avec ce ministère. La Bible dit Tabitha. Combien se souvient de Tabitha? Tabitha est revenue à la vie à cause des biens qu'elle faisait. Corneille, Dieu a envoyé Pierre de loin. Amen. Dieu m'a amené de loin aussi. Amen. Come on. Come on, professeur. Elle doit comprendre pourquoi est-ce que sa vie
doit être protégée dans la présence de Dieu. Mm. Si elle veut suivre Dieu, alors qu'elle soit avec Dieu. Comment, professeur? I feel anointing. Ok? Amen. Je déclare que tu es sécurisé sous l'ombre de la main de l'Éternel. Aucun mal ne t'arrivera. Mais tu seras utilisé pour amener le salut dans ta famille. Yes. La sorcellerie, là, elle est brisée. Yes. Et tout le mal qui se fera contre toi sera anéanti. Que l'Éternel Dieu vienne pour te sauver, te libérer du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Yes. Tu l'as dit d'être ici le dimanche, ok? Yes. Elles ne sont pas acclamées pour le Seigneur. Dieu. Oui, pardon. C'est lui qui a amené sa famille ici. Ah, c'est lui. Hey. Donc, c'est de tout ce que tu dis là, donc c'est vrai. Félicitations. Que Dieu te lève pour ça. Que Dieu te bénisse. Même sa tante, c'est elle, c'est lui qui a connecté sa tante. Wow. Avec maman d'ici. Wow. Voilà. Mais je te vois, quand j'étais shake hand, quand j'ai serré les mains, je vis comme un ange en train de te mettre le veste. Et puis, cet homme était directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Le cabinet de la sœur de Bongo, Pascaline. Donc, comme tu le vois là, si tu regardes. Est-ce que je peux m'asseoir? mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu as dit. Oh ouais. Moi-même, je me demande. Je m'excuse. Donc, rien comme ça, brrr, comme ça, brrr, c'est parti comme ça. Hein? Bring it back. Yeah, we are bringing it back. Viens, viens. Tu as peur de quoi? N'as-tu pas peur? Hein? Tu es marié? Tu vas te marier maintenant. Amen. Hein? Yes. Qu'est-ce que tu as envie de t'entendre de te marier? Il faut se marier. Amen. Ta nouvelle saison doit venir avec une femme. Amen. Amen. Les femmes disent amen. Amen. Ok? Amen. Tu dois te marier parce que ta saison vient, parce que je vois un ange en train de te mettre un manteau. Veste, je vois même veste, cravate, mieux. Donc il veut dire qu'il y a un office que Dieu ouvre pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux les retourner au pouvoir? Amen avec Dieu. Ouais, avec Dieu. Dieu te fera grâce. Parce que tu es très intelligent. Je le vois très intelligent. Yes. Très, très intelligent. Très intelligent. Son intelligence dépasse même l'intelligence du diable. Mon Dieu te fasse grâce. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je ne sais pas si tu vas rêver, mais tu as déjà rêvé. Mais c'est comme si tu as rêvé, tu as vu l'homme de Dieu dans tes rêves, en train de mettre l'huile sur ta tête, ou d'aimer prier pour toi. Amen, mais il m'avait dit que ce n'était pas lui. Non, bah, c'est vrai ça, il a dit que ce n'était pas vous. J'ai vu dans un rêve. Non, lui-même, il m'a dit que ce n'était pas lui. Non, je lui ai dit, c'était un ange, l'ange qui travaille dans mon ministère. L'ange là qui travaille dans mon ministère, parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai dormi, j'ai ronflé. Alors, l'ange... Les gens sont honnêtes aux Français. Comme j'ai sept anges qui travaillent avec moi, alors ils font le travail pendant que moi j'ai. Amen. 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 Cet homme a un cœur pour vous. Oh. C'est pour cela que Dieu peut l'utiliser même quand il dort là. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi j'ai vu ton rêve? J'ai vu lui en train de prier pour toi. Et j'ai vu une impactation en train de manifester spirituellement. Et aujourd'hui, alléluia, ça s'est fait physiquement. Amen. Va t'agenouiller là-bas. Il puisse imposer tes mains. Et Dieu le bénisse. Amen. Toi, c'est avec une semence. Que Dieu soit loué, on aime Jésus. Amen. Alléluia. C'est prophète. Nakata. Dimanche. Hein? Dimanche, on continue, non? Ah, élevez-vous, mais on continue ou on dimanche? Les gens en ligne aussi recevés par la grâce de Dieu. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez la visitation prophétique. La grâce de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de l'Éternel. Je peux vous demander seulement où s'est levé. Maman, tu veux... Miaou. Miaou. Hein? Ah. Écoutez, papa, hey, avant de s'aimer, je vais vous dire quoi c'est que vous allez s'aimer avec l'homme de Dieu. Ok?
Avec le prophète, il faut les chiffres. OK? Est-ce que vous croyez à ça? Amen. C'est très important. Il faut les chiffres. Il faut les chiffres. Surtout pour l'année 2023. Ça, c'est une semence que tu sèmes pour l'année 2023. Dis avec moi un grand bien. Amen. C'est la directrice, hein? C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça, non, la directrice, hein? Oui. Alléluia. Mon français l'a entré restauré. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que ce que Dieu a commencé avec toi puisse prendre chair et que l'ennemi ne puisse jamais renverser cela. Reçois une nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. OK. Je l'utilise comme point de contact. Vous voyez, je peux envoyer des enveloppes. Vous savez, dans les enveloppes. Enveloppe Casa Rema. Tenez-vous là. Comment vous allez? Que mon Dieu vous bénisse. Hein? Toutes tes souffrances ou toutes tes situations que tu es en train de passer, Dieu va te délivrer. Il y a un temps de joie que je vois. C'est comme si je te vois en train de pleurer dans tes temps, dans tes moments seuls. Mais Dieu est en train de t'amener hors de toutes ces complications. Amen. OK? Amen. Mais c'est comme si tu vas faire un jeûne de 3 jours. Et tu vas prier beaucoup pour intercepter tout ce qui s'est fait de côté de ton père qui combat ton étoile. Amen. Que cela soit arrêté. Amen. Okay? Dieu va t'amener dans une nouvelle saison. Amen. Ne pleure plus, OK? Amen. Et passez, passez. Amen. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les enveloppes sont là? Je vais l'huile pour vendre toutes ces enveloppes. Dis à ton prochain, ça c'est pour 2023. C'est ta semence qui parle là pour 2023. Même en ligne que vous êtes là, vous pouvez vous faire cela. Tout est chiffre qui est des nombres 3. C'est très prophétique. 3, oui. 530. 300. 330. Venez prendre l'enveloppe. Venez prendre l'enveloppe. Que Dieu vous bénisse. Mettez. Laisse-moi voir ça. Déclare l'onction dans le nom de Jésus. Venez prendre, c'est prophétique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'autres? Oui, pour. Donc, mais vraiment, donc. Ah ah, voilà. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est pour votre année 2023. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu je bénisse. Veux me réjouir dans le Dieu de mon. Restez ici, le prophète va prier pour tout le monde ici. Quand vous prenez, restez, ne retournez pas, restez ici, on va prier pour vous. Dans le Dieu. Merci beaucoup. Restez, maman, ne partez pas, restez ici, on va prier pour vous. Que Dieu bénisse. Jésus, venez. Venez comme ça, vous soyez là, que Dieu vous bénisse. Vous activez votre année 2023. Que Dieu vous bénisse. Même en ligne aussi, vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez écrire. Que Dieu vous bénisse. Dans le Dieu de mon salut. Que Dieu vous bénisse. Jésus, ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. La délivrance est en train déjà de se faire. Ouh, j'ai ça l'onction. Waouh. Il y a une forte onction ici. Merci Saint-Esprit. Une seule enveloppe. Viens prendre ça. Viens prendre ça. Shalabaka. Ok, je vais encore une autre enveloppe. Venez prendre ça parfois. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous fasse grâce. Merci Saint-Esprit. En fait, on peut prier pour eux. Prier pour eux. Je décrète et je déclare sur vous par l'onction prophétique dans les noms puissants de Jésus-Christ que l'éternel Dieu qui prospère par cette semence, l'année 2023, ça sera ton année de départ, l'année de ton départ, l'année où par laquelle tu te souviendras que cette année que Dieu m'a visité prophétiquement, glorieusement.
et il y aura l'établissement de la main et de la visitation divine de la grandeur de Dieu. Je déclare que tu sois en ligne, que tu sois ici présent. Que l'éternel Dieu te visite prophétiquement. Sors de toutes tes complications. Sors de tous tes dangers. Et que Dieu te bénisse pendant que tu mettras ça sur cet autel. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu crie un grand Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux me réjouir. Gloire au Seigneur. Prophète, à dimanche. Jésus, que Dieu vous bénisse en continuant dimanche. Que Dieu vous bénisse. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait chercher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à celles du pécheur. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma foi. Je veux me réjouir. Je veux. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Amen, amen. Amen. Qui a été béni? Non, non. Qui a été béni? Shamanabusata. Je suis tenté de voir l'homme de Dieu. Il est tenté de prier pour Maman Padolus. Maman Padolus. Donc dimanche, l'homme de Dieu priera pour toi. Une onction particulière que Dieu veut te donner. Tu as peur de l'onction. Je vois l'amertume dans ton cœur que tu ne veux pas se séparer avec. C'est vrai? Tu ne veux pas se séparer avec? Tu dois te séparer avec cette amertume parce que Dieu a décidé de changer ton histoire. Il faut oublier tout ce qui est ancien et passé. Toutes les choses deviennent nouvelles. Amen, Maman Padolus. Maman Padolus. Maman Padolus, ça va? Oh, Jesus, my God. Charles. Ne pleure pas. Charles, Yakara, vous êtes. Donne Dieu, viens prier pour elle. Viens. Tiens-la dans la main. Viens. Nous sommes dans une église prophétique. Viens, Dieu veut te guérir. Cet homme est venu ici pour toi. Viens, prends courage. Yamadabasaya. Sandara Karabosoto. Tu commences une nouvelle saison. Tu dois effacer, tu dois supprimer tout ce qui est ancien. Yakarabasa Yamada. Et puis tu as contribué pour le matériel de l'église. On vient me dire que tu as donné 500 euros pour le matériel. Oh? Oui, je sais. Elle a beaucoup semé pour Dieu. Tu aimes beaucoup Dieu. Bon, je te laisse entre les mains de l'homme de Dieu. Chandarabo Shoturibo Shandarabadabadaba Yogodo Shandarabo Soturubo Shandarabo Shandarabo. Ne pleurez pas, maman. Dans la présence de Dieu, il n'y a que de larmes de joie.
non plus de larmes, de douleurs. De la même façon que le prophète vous a localisé, donc il veut dire que Dieu commence un nouveau travail avec vous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Regardez-moi. Je prie pour toi aujourd'hui. Ok? Ok, elle pleure. Vous avez, quand vous passez dans beaucoup de choses, tout ce que vous pouvez faire, c'est pleurer. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Maman, si... Oh. Vous pouvez venir soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Simplement acclamer Jésus pour ça. Merci. Toute déception, que la déception que tout homme qui a causé dans ton cœur, que Dieu puisse guérir ton cœur. La déception, la déception. Et si on peut prier pour elle, tout esprit de la déception qu'une personne a causé dans son cœur, étant qu'homme, Seigneur, essuie au nom de Jésus-Christ, essuie que l'Éternel la guérisse aujourd'hui, à cause de son cœur, à cause de son soutien, qu'elle soutient l'Église, que l'Éternel Dieu se souvienne d'elle, comme il s'est souvenu de Tabitha, que l'Éternel Dieu se souvienne pour elle. Pendant que Maman Lise entre de prier pour elle, que la guérison entre son cœur, la guérison entre son cœur, la guérison entre d'entrer son cœur maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Et sois libéré de toutes ces déceptions dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu, maman, les sources, que Dieu libère ton cœur. Que Dieu te guérisse. Que la déception puisse quitter ton cœur complètement. Seigneur, touche-la complètement. Touche-la, Seigneur. Touche-la, 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 touche-la. Touche-la complètement. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que tes pleurs de douleur s'échangent en pleurs de joie. Merci Seigneur. Pleurs de joie et non plus de douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je te lâche complètement. Au nom de Jésus-Christ. Libéré totalement. Libère complètement. Que l'esprit de déception te quitte. Quitte complètement au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de dépression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. Tu ne mourras pas. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Allez. Au nom de Jésus. Allez. Sois libéré. Sois libre. Adabaya katola basi. Sois libéré. Sois libre. Laisse ça sortir. Laisse ça sortir. Laisse ça sortir. Fire. Moto. Fogu. Fuego. Reçois. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Yamarabo Soto. Merci. Que Dieu soit là.
Alléluia.